Partagez-moi le direct. Partagez-moi ce live. Voilà, ceux qui sont là, partagez-moi ça. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi ce direct. Allez, dis. Partagez-moi ce live. Dites à Lolo qu'elle se respecte. Que quand elle va laisser mon nom dans le noir, quand elle va me déposer tranquille, allez dire à Lolo que, hein, que quand elle va me foutre la paix pour toujours, quand elle fait la paix avec elle, j'ai jamais été avec deux cœurs. J'étais moi sincère. Dites-lui que tant qu'elle va traficoter dans le noir, elle sera toujours exposée par les siens. Bipez-la. Dites à Lolo que tant qu'elle va traficoter dans le noir sur moi, elle sera toujours exposée par ses propres gens. Oui. Et que si elle a ma part à faire, qu'elle fasse, parce qu'elle a déjà trop fait. Elle a déjà trop fait. Je suis restée tranquille. Mais quand j'ai fait la paix avec elle, non. J'étais sûre que on n'aura plus jamais de mésentendu. Oui, j'étais sûre que on n'aura plus jamais de problème. Mais Lolo n'est pas sérieuse. Et le monde entier saura qu'elle n'est pas sérieuse du tout. Je ne me suis pas maquillée. Je n'ai rien mis. Je ne suis pas maquillée. J'ai une belle peau. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas maquillée. C'est mon style. Parce que ce matin, non. Nous sommes sur les ténébreuses. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un peut détester sa soeur, être tribaliste comme ça vis-à-vis de sa soeur, maman. Bami Pawa. Je te dois quoi, Bami Pawa? Ton direct, Bami Pawa. Bami Pawa, j'étais moi tranquille depuis. Oui. Je m'adresse à Bami Pawa. Tu as discuté le concept avec Roberto Ngangum. Tu as arraché son concept de Bami Pawa. Ça ne t'a pas laissé. Tu me veux quoi, Bami Pawa? Hein, Bami Pawa, tu me veux quoi? Je suis tranquille. Je dis que hein, ce que tu fais vis-à-vis de moi, c'est de la pure jalousie. C'est de ça qu'il s'agit, Bami Pawa. Bami Pawa, tu es allé jusqu'à où avec Bami Pawa? On t'a effrayé que hey, tu as déposé. Tu peux faire quoi jusqu'à ça marche? Moi, j'ai fait, ça n'a pas marché aussi. Mais certaines choses ont marché. Toi, tu as fait quoi? Ça a marché. Tu as vendu les habits ici devant nous. Ça n'a pas donné. Normal, nous sommes en France. Si tu ouvres une société, ça ne va pas. Tu déposes, tu changes même de nom, tu fais autre chose. On peut faire, ça ne marche pas. Ton parcours, tu l'as raconté toi-même. Ton parcours. Chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a son passé, son futur. Ton futur, c'est dans la télé. Mais tu commences mal. Coucou la tigre, j'étais écrit hier fatigué. Ah, dis donc, votre patronne, votre star, je t'écris. Tu ne vois pas où tu as vu, où tu n'as pas vu. On m'a donné un numéro. J'ai fait 237, j'ai fait 06, tout ça, ça n'a pas donné, j'ai laissé. Demandez à Bami Pawa. Demandez à Yamseur Bami Pawa. Lolo. Qu'est-ce qu'elle me réclame depuis des années? Je vais revenir sur ça demain à 17h30. Pour le là, je suis en train de lui dire que elle sera toujours dévoilée et exposée. Nous sommes des stars. Des personnages qui on doit faire attention à tout le monde sans exception.
Quelle est cette star qui parle en conflit avec les faux profils là? Maman, tu peux avoir ton général, tu as ta wakatologue là, tu as peut-être ta... ces mains des Olomania là. Ça te fait deux personnes, tu peux te confier à eux. Tu as besoin que dès que quelqu'un m'insulte, la personne devient ton confident, ta confidente. Hein? Tu n'as pas honte? Tu penses que toi, on s'est croisé l'autre jour, non? On s'est croisé l'autre jour là. Où tu étais en train d'enregistrer ton émission avec Steve Fah. Je t'ai croisé, non? Je suis venu chercher Steve. Tu étais là-bas avec ton Chinda. Il est monté la voiture, on est parti. C'était comme avant, j'allais sortir de la voiture, venir t'embrasser, que c'est comment ma soeur, tu vas bien. Pourquoi vous aimez la méchanceté gratuite comme ça? Tu m'as tant saboté. Ça ne t'a rien. Tu as vu que ça ne change rien. Depuis qu'elle fait la paix alors avec Compressor, c'est devenu comme... Il y a même les gens de la TKC qui ont disparu, qui sont avec toi. Parce que j'ai fait la paix avec Compressor. La guerre n'arrange personne. La guerre entre toi et moi ne m'arrange pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne m'avantage en rien. Parce qu'une chose est sûre, on va rentrer à l'Ouest ensemble. Mais en attendant, j'ai le droit de te répondre quand ça ne va pas. Je n'ai jamais répondu à tes faux profils. Je ne clash pas les faux profils. Ou tes Nyama Nyama Nchinda. La seule personne que j'aurai à dire demain, c'est ta petite sœur. Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Demain soir à 17h30. Si vous voulez, mettez vos téléphones pour écouter les deux. Ça sera la même heure. Dès qu'elle va lancer le direct, elle va lancer le direct. Oui. Je suis BFM TV. Elle est France 3. BFM, chaîne d'information en longueur de journée. Elle est France 3. Oui. Donc, je ne comprends pas. Au lieu qu'elle se batte pour elle-même, mais elle se bat pour qu'on me déteste. Tu te bats pour qu'on déteste une personne que tu as déjà tout dit. Ça ne change pas, mais change de disque, voyons. Change de disque, Yam. Tu es ma soeur et tu es ma grande soeur de très loin. J'ai 43 ans. Pas le Kumba, mon âge réel. J'ai 43 ans. On change l'âge pour aller à l'école. Ou bien pour beaux âges, je ne sais pas quoi là. Moi, je n'ai pas beaux âges, je suis venu en avion. Je suis venu avec le prêt à partir. J'ai été mariée de 2003. Officiellement mariée. Flore Chevalier. De 2003. Jusqu'en 2022. Que j'ai divorcé. Je suis une femme officiellement célibataire. Française de nationalité depuis 2006. J'ai fait le tour du monde. J'ai voyagé et revoyagé. J'ai changé trois fois mon passeport français. Excès de visa. Je peux t'envier avec quoi? Ta tante au Canada. Les beaux-sangs qui te font aller au Canada les dépassent. Cherche le visa, tu sors un peu de la France. Ça va te détendre. Découvre un peu le monde, ça va faire que tu ne sois plus aigri, parce que tu es aigri. Tu es une personne avec qui il ne faut pas rigoler. Je t'ai accordé la confiance un certain temps. Mais quand tu es entré dans les ténèbres avec quoi coucou? Si j'étais en couple avec quoi coucou? Qu'est-ce que tu cherches dans les histoires de couple alors? Vous avez parlé là-bas, ça a changé quoi? Je suis grand-mère deux fois, avec un fils unique de 26 ans. Donc aujourd'hui, non. Je peux décider, si je veux me faire attacher comme toi, que ça soit mon plaisir, je me fais attacher. Mais ce n'est pas mon truc, parce que je ne suis pas une femme soumise, je suis une dominatrice, c'est moi qui attache. Je suis sorti au deuil avec la corde.
Parce que j'avais envie de t'attacher. Parce que tu ne peux pas m'attacher. Je voulais te montrer que c'est une dominante. C'est moi qui attache. Donc aujourd'hui, moi je ne suis plus là que aller accoucher, non. Je ne cherche plus l'enfant. Dieu m'a donné ma part. Qui m'a donné les 1 là. Je remercie le Seigneur. Je ne l'en veux pas. Parce que c'est que j'ai rendu visite dans les cabinets. Quand j'étais au pays. On se comprend. Dieu n'accouche, Dieu ne rend aucune femme stérile. Quand on tourne dans les cabinets, avec les sales avortements et les pistages qu'on met, que les vieilles bombos des quartiers font pour que les jeunes filles mettent dans les fesses pour avorter là, ça détruit la femme. Dieu merci. J'ai accouché les 1 là, c'était le premier. Le premier que gnasse. Premier gnasse. Premier tombé. Le reste, j'ai visité les cabinets comme toi. J'ai été au cabinet. Avortement avec le rat. Avortement avec le miel. Les faux trucs que boit le miel. Boit l'odontol. Boit où c'est le fait ainsi. Avec bah, les aspirines. J'ai fait ça. Même le mauvais curetage. Le mauvais curetage des faux infirmiers là. Ça détruit même. Donc j'ai fait le tour dans les cabinets aussi. Je ne peux pas nier. Parce que je ne voulais pas que ma vie s'arrête au quartier. Je visais loin. Je voulais travailler. Donc, je ne peux pas en vouloir le Seigneur. Parce que moi, je sais que j'ai tourné au quartier. On est d'accord. J'ai tourné au cabinet. J'ai été au cabinet. Donc, il faut laisser ça. Si aujourd'hui, je suis green, mais... J'ai quel compte à rendre à qui? Je suis en bain. Je suis libre de faire ce que je veux. Si je veux même faire le gangbang, que je prends même 6 gars qui me tombim, c'est mon problème. Tant que j'ai l'énergie d'écarter, j'écarte. La différence de toi et moi, c'est que c'est ton gars que tu as fait avec qui t'a balancé. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme si c'était le voisin qui guettait par la fenêtre. C'est lui qui t'a filmé. Il est là, c'est quelqu'un qui m'appelle souvent. C'est lui qui t'a filmé. Il a gardé. Pour souvent se masturber avec. Sa femme est tombée dessus. Donc à la base, tu es une voleuse de mari. Parce qu'il faut arrêter de dire que ma copine a volé au mari de truie. Toi-même, tu es une voleuse de mari propre. Tu es allé voler le mari de truie. La femme officielle est tombée sur ça. Et la femme officielle est tombée dedans. J'ai enlevé pour dire que je ne suis pas, je n'ai pas peur de toi. Je vais baisser au moment de mettre... Les ténébreux. Votre chantier, les ténébreux. À tout moment, j'ai déposé les clashs parce que ça ne me sert à rien. J'ai une personne que je m'en occupe qui est là. Mamie est là. Elle est là, couchée. Ton faux profil a souhaité que sortir la vie de décès. Je vais montrer au Camerounais. Je vais poster au Camerounais qu'on voit à quel point tu es sadique. Donc, il y a ton, il y a Otamchou, qui est passé en pleine chaîne de télé, qui a dit que tu es une junkie. Quand je bois ici, on me dit que je bois. J'ai arrêté de boire. Je bois maintenant le café. Quand j'ai fait la paix avec toi, il y a les gens qui n'étaient pas contents. Mais il y a aussi les gens qui étaient contents. Parce qu'il y a les gens qui nous aiment aussi à deux. Mais tu es très fausse. Ce n'est pas gentil de ta part.
Ce n'est pas gentil de ta part. C'est vraiment méchant. Bats-toi pour ta place. Demain, à 17h, l'enfant que tu as recruté va te verser. C'est toi qui as dit attache-moi. Quand tu me vois avec mon charisme là, les anciens bordels. Quand tu vois une ancienne bordel, je peux être soumise de qui? C'est les coups de poing. En passant, rêve, je vais te parler demain, la petite soeur de Lolo. Cette fille, je ne l'ai jamais prononcée en mal. Je n'ai jamais insulté cette fille. Elle est libre de supporter sa petite soeur, sa grande soeur, c'est normal. Mais elle est en concurrence avec sa soeur pour la Stamaya. Dans toutes les familles, hein, il y a des personnes avec qui ça ne donne pas. Mon grand frère et moi. J'ai dit que quand j'arrive, non, il sort de chez moi. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Mais en attendant, c'est mon frère. Je dis seulement, je fais quoi avec la maison? Même s'il a fait quoi, c'est mon grand frère, non? Parce que l'éducation, on nous a éduqués amour. C'est mon grand frère. Je le respecte, l'appelle même tonton. Alors qu'il ne me dépasse pas trop. Toi, tu entres dans les noirs pour traficoter contre Mako et moi. Bonsoir Mako, chou d'amour, ta photo est toujours là, mon bébé. C'est là, hein? Tu sais que je ne la lève jamais. Ton propre homme t'a traité de junkie, mais tu as seulement vu que j'ai sorti les cordes. Pourquoi tu es autant... La Stamaya, ça ne se force pas. Les manières, le style, ça ne se force pas. Tu te maquilles bien. Tu es présentable à la télé. Hein? Tu es présentable sur Facebook. Facebook t'arrange beaucoup. Tu es présentable sur Facebook. Respecte ton âge. Tu as vu même quand les Nicole là me clashaient. Tous les petits-petits-enfants. Tu m'as déjà vu m'asseoir pour les répondre. Non. Parce que je respecte mon rang. Aujourd'hui, Nicole, c'est la fille de maman Pépé et c'est ma fille. Tu penses que les abeilles disent que Toby, la guerre, c'est la stratégie. Le monde entier saura qui elle est. Et tant que tu as le cœur noir vis-à-vis de tes soeurs camerounaises, tu as été en Côte d'Ivoire, tu as les amis ivoiriens, tu as été en Côte d'Ivoire, tu as clashé Makoso, tout ça, puisque c'est la stratégie que tu donnes pour être star. Ça n'a pas marché, tu es où? Tu es toujours là au Cameroun avec nous. On est toujours là dans nos choses. Tu veux quoi? Tu as envie quoi au monde entier? Trouvez-moi la capture d'écran où un des Lolo Manioc a fait la vie de décès sur ma mère. Je vais poster sur ma télé. Le monde entier doit savoir. Voici tes gélules que j'ai achetées pour t'encourager. Voilà ça. Voilà ça. C'est ça ici. Pour t'encourager. C'est ça. J'avais acheté ça pour t'encourager, 2 paquets. J'ai acheté en solo que tu es ma soeur. Je t'encourage, ça n'est jamais vu. J'ai acheté 2 paquets. J'ai acheté le pain du mariage d'Edouard Bala jusqu'à acheter pour la veuve. Que non, j'achète pour elle. Pourquoi je t'encourage? Toi, tu cherches toujours à me descendre. Pourquoi? Tu me dépasses avec quoi? Tu me dépasses en quoi? J'ai été officiellement mariée. Tu n'as jamais été mariée. Tu es dans le vieil, on reste depuis. J'ai pris l'avion, toi tu as Boza. Parle au Gabon. Hein? On n'a jamais marché ensemble. Mais quand je te voyais, quand je t'ai vu quelques fois, ça m'a fait plaisir. On était au deuil ensemble, à Paris. On était au deuil. À un moment donné, tu as commencé le bruit parce que tu avais bu. J'avais de la peine pour toi. Tu étais avec tes amis. Je vous ai porté dans ma torture pour te déposer à Aubervilliers là-bas. Parce que je voyais déjà la lue que ça tournait. Tu criais. Tu devenais déjà. Tu avais déjà bu. Et moi, je voulais me rassurer que tu rentres bien. Ça, c'est de l'amour qu'une personne peut donner à sa soeur. Même si ce n'était pas toi. J'aurais fait à n'importe qui que je connais. Mais comme c'était toi, je ne voulais pas que tu restes au deuil. Et que si ça dégénère, quelque chose t'arrive, j'allais me sentir mal. Au deuil,
Je parle comme ça du deuil de l'enfant qui était décédé à 12 ans. L'enfant là qu'on avait tué par balle. Le deuil où on s'est vu jusqu'à ce que on a dansé devant les abeilles. Or, on était là réconciliés depuis. Mais on a dansé devant, on a fini le deuil. Les gens étaient contents de nous voir à deux. N'est-ce pas, tu as lavé et rincé Steve Fa, tu l'as invité à l'émission. Tu vois comment la vie tourne. Périgord, tu l'as lavé et rincé ici là. Périgord. N'est-ce pas, tu vas inviter les amis sincères. J'étais prise comme une sœur en sortant du deuil. Je t'ai dit que non, je vais te déposer, je ne peux pas te laisser ici. Parce que tu commençais même tiré que non, pas. Tu commençais à parler là fort. Je suis star. Pourquoi il y a un gars là qui voulait ou bien faire quoi? J'ai dit au gars là que je l'ai averti qu'elle ne tente même pas ta main con sur elle. Tu la laisses tranquille. Entre temps, tu as porté les talons. J'étais en cabane. J'ai dit, mais j'ai dit au gars là que tu ne tentes. Hey, j'ai sissé à le gars là. Je dis que tu parles à qui? Tu la connais où? J'ai sissé à le gars là. Hey. J'ai dit qu'on part. Je t'ai porté, je t'ai déposé, je me suis rassuré que tu es entré et je suis parti. Ça, c'est de la bonne foi. Tu ne peux pas me faire du mal, Lolo. Ça ne peut jamais marcher. Tu seras toujours dénoncé, trahi. Tu m'en veux pourquoi? Autant d'années, tu m'en veux toujours pourquoi? S'il y avait quelqu'un qui peut m'en vouloir, c'est compresseur. J'ai commencé avec elle. Tu es venu en tant qu'un tchinda de compresseur. Tu as oublié comment tu étais fabriqué, tu étais son tchinda. Tu travaillais pour elle. N'oublie pas, c'est elle qui t'a fabriqué. Pourquoi tu recrutes les gens pour insulter? Mais tu as la gueule. Non? À tout moment, tu veux les clashs. On fait les clashs. À tout moment, c'est quand tu veux. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es dans les faux trucs? Tu entends quoi, coucou, une fille qui vient dire que comment on est lesbienne, comment on était ensemble, c'est monté, c'est descendu. Elle t'appelle pour te dire comment elle va faire ceci. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'avais pas appelé quand elle t'avait envoyé les voix? Elle t'a enregistré. Mais j'ai reçu ça, j'attendais que tu m'appelles. Tu me dis, comme tu vois, l'angala a fait que tu ne l'as pas fait. Alors que moi, j'ai déjà fait un direct, tu m'as appelé que ce sont tes gens. Que pardon, supprime. J'ai supprimé. Tu m'as appelé que supprime le direct là, que pardon, c'est ma famille, ce sont mes gens, j'ai supprimé. Lolo, tu me veux quoi? Tu as fait un direct, un jour, je t'ai appelé, supprime. Non, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu ne respectes pas ton âge? Tu parles quoi avec les faux profils? Tu as été dans tous les teams, les Basso, les Roberto Ngangumo, les partout où tu étais là-bas. Tu commentais. Tu as été avec tous ces gens. Je pensais que ton retour du Cameroun, quand tu es revenu, avec la belle grande rencontre que tu as fait avec ton ami Paul Désy, un gars discret et simple. Je pensais que tu allais changer. Pardon, ne salis pas le jeune là. Sois un peu responsable même pour lui, pour l'amitié que vous avez ensemble. Respecte-toi. Quand il te voit partout commenter dans le noir comme ça, une future présentatrice télé ne peut pas se mélanger à tout et du n'importe quoi. Tous les directs dans le noir, tu appelles. Tu penses en appelant que tu vas te faire une popularité? Non. Tu ne peux pas te faire une bonne. Tu dois d'abord laver ton image. Avant d'être présentatrice télé. Tant que tu ne laves pas ton image, tu n'auras jamais de bonnes personnes qui viennent à ta télé. Parce que les gens n'aiment pas les clashs. Que ce soit les artistes. Quand tu vas dire que... Tu vas dire à une personne que passe à ma télé. On a parlé de cette télé ensemble. Tu as même dit que c'est moi qui allais couper le banderole. Je t'encourage dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime m'asseoir comme ça si je veux. Je fais ce que je veux sur Facebook. Je ne veux pas avoir de contraintes. Pourquoi tu ne peux pas respecter ta place d'aînée, de grande sœur? Pourquoi tu ne peux pas respecter ta place de femme au foyer? Parce que le vieux reste. Pour moi, tu es une femme au foyer.
Le vieux, on reste pendant longtemps comme tu es là. C'est le mariage. On est ici. Si tu es une première blogueuse, tu te maries. Tu vas inviter tes soeurs, nous sommes là. On se dispute quoi? On a gagné ce même gars ensemble. Non. La personne que tu as gagné ce même gars ensemble, c'est la veuve joyeuse. Vous avez tout fait les tous pas. Elle a gagné sa veuve au temps. C'était son gars. Tu as arraché. Maman ministre est sortie avec papa Fodja. Tu as récupéré. Donc tes amis, tu gagné avec leur gars. Moi, je ne sortirai jamais avec un homme qui est sorti avec une amie. Si je connais. Non. Je ne peux pas. Même si les hommes sont finis en bain. Mais si la touche pas, ma copine m'invite et me dit, maman, aide-moi. Mon gars te voit comme ça, ça lui plaît, aide-moi. Parce qu'entre les copines, ça se fait. Ce n'est pas la trahison. Si je dis, si une copine m'appelle que ma co, viens, on y a savé mon gars. Ça, c'est les histoires de femmes. C'est comme ça. Mais toi, tu n'y as et tu as rendu maman ministre folle sur Facebook. Tout ça pour la ridiculiser devant papa Fodja qui l'a toujours aimé. Tu voulais la ridiculiser que c'est une folle. Maman ministre, ma soeur, je te salue. Elle est sortie de ça. Sa famille l'a pris, on l'a soignée. Tu l'as rendue en dépression devant les gens. Tu l'as montré devant Facebook. Quand tu t'assois dans le noir que j'ai fait du mal, entre toi et moi qui a fait du mal, tu as fait du mal plus que moi. Tu as fait trop de mal. Tu as détruit maman ministre. Tu l'as rendue folle dans ta team. C'est pour ça que ta team ne fabrique que les folles. Va Borosangui. La part de la folie, tu l'as donné chef. Tu as donné la chèvre du Canada. C'est toi qui as surnommé Borosangui. Le clash crier ne veut rien dire. Parce que pour crier, je peux crier aussi. Mais je n'ai pas été éduquée comme ça. Je suis une personne qui a été éduquée. Je ne suis pas une fille à problème. Parce qu'on me voit sur Facebook, on croit que non. Dans la réalité, moi je suis une fille très timide. Je n'aime pas les histoires et je ne suis pas quelqu'un qui est trop bavard. C'est comme ça que je suis. Regarde comment tu as fait du mal autour de toi. La veuve, veuve de Carcassonne, tu as arraché son gars. Tu l'as rendu folle à la canne. Blogueuse d'État. Elle voulait m'amener à la canne. J'ai refusé, j'ai dit que non, toi go. Elle voulait te détourner que non, c'est toi qu'on préfère. J'ai dit que non, ma soeur pas. Le jour que je les ai croisés, ils ont dit que on part. On laisse ta soeur là, dis donc. J'ai dit que non, j'ai dit à mon biéta et ma copine. On part au Cameroun. J'ai dit que non, allez-y. Pourquoi tu es toujours avec les gens avec la peur? Tu n'as pas confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi. La confiance en soi, au fait, hein, la confiance en soi, c'est pas de chanter que je suis belle, je suis la fille de si. Oui, tu es la fille de commissaire priseur, tu es allée à l'école en voiture. C'est bien pour toi. Moi, je suis allée à pied. J'étais à Biémassi. Quand j'étais petite, j'ai fait l'école primaire à Biémassi École. Biémassi École, en face de l'Acacia. J'allais à pied. Toi, tu partais en voiture. Toi, ce qui tes parents... ça dit que quand tu parles même de que tu es la fille du commissaire priseur, normalement, tu devais être dans un bureau en train de signer seulement les papiers que tu as tellement été à l'école. Regarde comment tu as entraîné même ta petite soeur, une intellectuelle. Elle s'assoit, elle prend la photo, elle met sur le chauffage. Au lieu de dire à ta soeur que ma petite soeur, une jeune célibataire comme toi, occupe-toi bien des enfants, elle prend d'abord les photos. Elle pose sur le chauffage. Dis ta rêve que je lui ai dit qu'elle filme un peu où elle habite. Qu'elle filme un peu le petit cadre où elle vit. Elle pose sur Facebook. Elle montre, on voit. Une jeune fille comme elle n'habite pas comme si elle était au Cameroun. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle cadre photo. Mettre les cadres photo. Elle ne tape pas. Moi, je ne comprends pas. Et puis, quand tu entends parler fort, tu te dis que mais c'est quoi ça? Non, dis ta rêve qu'elle arrange un peu son intérieur où elle vit. Elle fait l'espace pour l'enfant. Pour les enfants. Elle met le tapis, elle fait l'espace pour que les enfants jouent. Que quand elle est en direct, qu'elle arrête de trop parler à l'enfant. Que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'elle apprendre à faire les directs. Qu'elle a encore du chemin, elle a encore à apprendre. Elle crie, mais les directs, ce n'est pas de crier. Une intellectuelle qui est célibataire, mais
doit vivre dans un endroit quand même correct. Ça aide à arranger. La dernière fois, pendant qu'elle était en direct, l'enfant a bu l'eau dans le cabinet. C'est quoi ça? Quand ça soit, il faut dire qu'elle s'assied, mais parce que c'est toujours flou. Quand elle fait les directs, elle est sur le téléphone. Elle se met bien. Pourquoi les gens des ténébreux là sont toujours dans les maisons, un jar? Ils sont tous dans les cadres, un jar comme ça là. Hmm? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette jalousie? Là, je suis invitée aux États-Unis, je m'en vais aux États-Unis, j'ai deux prestations. J'ai trois prestations. Atlanta, je suis à Boston. Le vendredi, la soirée des abeilles. Donc, venez nombreux les abeilles. La soirée, la nuit des abeilles à Boston. Le dimanche, j'ai autre chose privée. Le samedi, j'ai autre chose privée. Après, je suis à Atlanta. Je reviens en France. Je repars encore. Bats-toi pour voyager. Voyager, c'est découvrir le monde. C'est une richesse. Quand une star, c'est une richesse. Ne dites plus que dites donc. On l'invite seulement. Non, je découvre le monde. Rien ne m'impressionne. C'est une vieille chouette, une rococo. Même un gars ne peut pas me draguer. Il me parle que les pays ont fait que. Parce qu'il suffit qu'il y ait l'esprit ouvert. Je suis une vraie femme qui va rester dans le mariage. Parce que j'ai déjà tout vu. Je suis une fille qui réalise. Dans le silence. Quand on veut parler, vous voyez qu'on est pareil. On n'est pas pareil, je suis désolée. Je suis une fille, je sais d'où je viens. Je sais que j'ai une charge sur mon épaule. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne compte pas. Je n'ai pas un père qui m'a laissé l'héritage. Mon père nous a laissé les champs. Et chez nous, les femmes n'héritent pas. On ne donne qu'aux hommes. Mon père ne m'a rien laissé. Moi-même, je me bats pour moi. Et pour mon fils unique. Je me bats pour moi et pour mon fils. Mais n'empêche que mon fils, il a déjà le chez lui. Il a sa famille. C'est un enfant respectueux. Obéissant, qui a ses amis. Qui a son monde. Il va sortir assistance sociale. C'est lui qui va me donner ma part d'HLM. Je vais seulement prendre et dire merci papa. Il va faire ma part de démarche. Je vais aller m'asseoir dans ma part de l'HLM. Où je paye peut-être mes 100 euros ou mes 50 euros par mois. Je suis en paix. Oui, je n'aurai plus les problèmes que oh, quand le mois arrive, déjà comme là, je commence à penser que ouais, mon loyer. J'ai appris, vous passez le temps à dire que j'ai 7 mois ou c'est 8 mois de loyer impayé. Tu peux rester dans le privé chez quelqu'un comme ici. Dans le privé, 7 mois de loyer, tu ne payes pas. Tu restes, maman. Ici, en même. Oh. Le privé. Vous me faites rigoler. Je n'ai aucun mois d'impayé de loyer. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu. Ça m'arrive de dire que le mois, si c'est chaud, j'appelle mon propriétaire, dis que monsieur, j'aurai un retard. Je vous paye plus tôt. Il ne refuse pas. J'ai une charge. Je suis seule. En ben, on s'en sort mieux quand on est deux. Les gens ne vivent pas en couple en ben par amour. Jamais. Beaucoup de personnes ne vivent pas en couple en euro par amour. Ils ne vivent pas par amour. C'est comme ben, c'est un ginger. Quand vous êtes deux, chacun met sa part. Mais j'ai choisi d'être seule parce que tant qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne, mieux je sois seule que d'être mal accompagnée. Donc, mes efforts jusqu'à aujourd'hui, non. Non, je peux dire que je suis trop forte même. Parce que seule, gars, seule. Dans le privé. Tu payes tes factures. Par mois, je suis à 1200 euros. C'est entre mon loyer et les factures. Imagine si tu avais un Joe. Que je suis avec quelqu'un. C'est que c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Voilà le système, moitié-moitié. Mais je préfère voir comme ça tant que je suis seule.
Jusqu'au jour où Dieu va m'envoyer ma part de sauveur que tu as trop souffert. Voilà quelqu'un qui est venu t'épauler. Je vais prendre et dire que merci. Mais en attendant, je me trouve heureuse et je peux dire que j'ai réussi mon bain. Je dis et je redis encore. Rêve, je t'ai entendu vouloir parler de ma mère dans le noir. Ma chérie, je t'entends souvent pleurer ta mère. Quand tu pleures ta mère, la façon que tu fais, je me demande vraiment si tu t'es vraiment occupé d'elle, comme tu dis. Parce que si tu prenais soin d'elle vraiment, au pays, même il y a les voisins, la famille qui t'aide. En Europe, ce n'est pas pareil. Ne prononce plus jamais ma mère dans tes directs, même en bien. Je te parle à toi, Rêve, la petite soeur de Lolo. Ne parle plus jamais de ma mère. Laisse les autres parler. Votre propre profil, je vais poster tout à l'heure. Dans les moments difficiles où j'ai failli péter les câbles, on ne me voyait plus. J'étais mal. La personne qui m'appelait matin, midi, soir, compresseur, Henri Mamouza, les abeilles, ma bango pressée, la mère va bien. Les gens même qui ne... Est-ce que la mère va bien? Parfois, je ne prenais même pas parce que à l'hôpital, je ne prenais même pas. Mais je remercie tous ces gens-là. Aujourd'hui, là, ça va tout doucement. Ce matin, son taux de sucre, j'ai piqué, c'est à 35, ça va. Sa tension aussi, ça va. Je suis devenue aide-soignante, c'est malgré moi. Je suis là, scotché à la maison. Même la bordelerie, je ne peux pas faire. Parce que même la bordelerie, il faut avoir le temps. C'est un sacrifice, je l'assume. Et je suis là avec. Rêve, ne parle plus jamais de ma mère. Quand tu entends les dire où on parle de ma mère, pardon. Pour les moments de bonheur, de partage que j'ai eu avec ta grande soeur Lolo, n'entre plus jamais où on parle de ma mère. Pour parler de ma mère, même en bien. Ça, je te l'interdis. Et si tu es une femme, comme on dit femme, parle encore de ma mère. Et tu verras ce que je vais te faire. Comme tu dis que tu es trop. Je dis que parle, prononce encore ma mère un jour. Si ma mère n'importe quoi, c'est ma mère. Fichez-moi la paix. C'est de ma faute. Mon, comportez-vous bien. Toi, Rêve, tu fais la concurrence avec ta soeur. Avec ta propre soeur, tu fais la concurrence. Avec ta soeur. Pourquoi ta soeur ne partage pas tes vidéos? Pourquoi elle ne partage pas? Parce que ça te, c'est les ténébreux qui partagent. Pourquoi ta soeur ne partage pas tes directs sur son mur? Puisque c'est à elle de te fabriquer. Tobias Chou. Elle ne peut pas te fabriquer. Et moi, je ne te fabrique pas. Tu vas te faire seul. Et tu vas réussir ton Facebook. Vous pouvez soutenir les gens sur Facebook sans insulter les autres. Dieu m'est témoin, Seigneur Jésus. Dieu m'est témoin. Je lèche ma chaussure. Hein? Je jure sur ma mère qui est couchée là. Je n'ai jamais appelé une personne qui insulte Lolo sur Facebook, ou même compresseur pour dire que insultez-la aujourd'hui. Vous allez, je ne suis même pas dans les, comment on appelle les groupes avec les abeilles, tout ça là. Je n'ai jamais fait ça. À grand jamais, parce que, bon, je ne, et puis je n'entre pas dans tous les directs. Je découvre. Toi, dans tous les directs, dans les noirs, Lolo, tu es là-bas. Tu penses que si tu ne changes pas ton cœur, ta télé ne marchera pas. Tu vas recevoir que les vendeuses de prunes, les vendeuses de piments et les artistes bracata qui ont raté leur vie. C'est tout. J'espère que demain tu feras mieux. Parce que la première sortie était naze. Était naze. Tu prends plutôt ton temps pour te faire ton make-up que de venir faire nous la télé.
Faire la télé avec un bon cœur. Dans la télé, quand on dit qu'on est présentateur TV, on n'a pas de clan. Fais la paix avec compresseur. Fais la paix avec tes ennemis avant de faire la télé, sinon ça ne marchera pas. Tant que tu ne fais pas la paix officielle, même si c'est une paix hypocrite, tant que tu ne fais pas une paix officielle, tu ne fais pas la paix officiellement avec tout ce que tu as offensé. Parce que dire que je ne suis plus dans le cas selon Brakata, tu es dedans, tu restes et tu demeures dedans. Si je ne réponds pas depuis, pas parce que peur de toi. Lolo, je n'aurai jamais peur de toi. Tu le sais très bien. Je n'ai pas peur de toi. Mais tu es une personne que j'ai respectée. Mais je n'ai pas peur de toi. Tu ne marches pas avec les faux profils. Tu marches seul. On marche seul. Donc on peut se croiser dans n'importe quel trou. Et quand on se croit, est-ce qu'on fait quoi? Chacun prend sa route. Ça veut dire que les réseaux sociaux, Facebook, non, c'est les virtuels. Mais quand chacun voit l'autre, il respecte son couloir. C'est comme ça que ça est. Arrête ta haine. Tu en veux à qui? Tu as quoi? Est-ce qu'on va être jalouse de toi? Tu es marié à quel ministre? N'est-ce pas, tu es aussi avec un jongleur? Un homme comme ça, bien calme. Pardon, donne-moi la calabasse que tu as bu dedans pour avoir Papa Foja. Donne-moi le canari que, où tu as bu dedans. Je bois ma part pour trouver ma part qui va venir s'asseoir et ramper dans cette maison. Si tu étais une femme, c'est qu'à deux, vous achetez même. Ce que vous êtes assis chez vous. Montre-nous ce que tu as réalisé depuis avec Papa Foja. Ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, vous avez réalisé quoi? Lui, c'est un héritier déjà. Sa mère a bâti sa vie. Quand j'étais déjà, à quel âge là, j'étais parti manger, sa mère avait un restaurant, j'étais déjà allé là-bas, les grandes personnalités allaient là-bas. J'étais allé là-bas avec mon père qui m'a amené en bain. 12 ans d'amour, dis-moi, tu as commencé quel chantier avec Papa Foja? Tu as commencé, tu as quoi avec lui? Vous vivez ensemble que chacun fait malin et demi de son côté. Toi-même, tu te cherches le jour que ça va mieux, tu go. Lui aussi, le jour que ça va, d'abord, même il est officiellement marié, il ne peut pas t'épouser. Donc, chacun joue que malin et demi. Toi, tu te cherches, tu calcules que l'amour là-bas où tu connais là. Mais entre-temps, le gars assis là que, oh, l'amour sur WhatsApp, oh, yam. Ouais, maman, c'était quand même, c'est sucré, hein. La dernière fois, on était ensemble, non? J'ai salué le beau des beaux. J'ai fait comme ça, mon beau. Maman, oh, la belle sœur de ça, oh. Je salue mon beau des beaux, mon beau frère depuis le co. Mbamba Mkiri. Mbamba Mkiri, oh. Kiri Mbem. Mbamba Mngoke. Ngoke Mbem. Au lieu de nous faire le... Je salue le tubo, petit pays Omega. Le nomba uno de uno. Bonjour le tubo. Bonjour mon papou. Bon, mon nom. Le seul artiste qui est respecté, qui n'est pas, c'est pas un voyou. Le seul artiste qui a construit l'immeuble quand on était encore petit même. Car vous, petit pays, avant tous les autres. Le seul qui dort chez lui, pas les artistes qui dorment encore chez leurs parents. Pas les artistes que c'est au moment qu'ils décèdent qu'on voit la vérité où ils habitent. La honte de ça. Nous, on ne veut pas finir comme vous. Jamais. Voilà un artiste qu'il faut respecter. Les jaloux, avec leur sorcellerie, ont cassé le pied de petit pays. Mais, ça n'a rien changé. Il est toujours nomba uno de uno. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Un artiste qui a combien d'immeubles, bon, mon nom, tout ça. C'est un héritier. C'est-à-dire que il a conçu sa vie, on l'a vu. Un artiste qui n'est pas dans les histoires de politique partout. Il est lui neutre depuis 1900, ouais. Et on le respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Un artiste qui n'est pas dans l'embrouille. Oui. Je m'incline et je le salue. C'est de ça qu'il s'agit.
Il y a un autre artiste là qui voulait, qui s'était attaqué au patron. Il a vu. J'étais aux États-Unis le jour là. Ils ont voulu faire comme s'ils voulaient faire le Congo ça. J'ai supporté petit pays. Oh, ah! J'étais à Washington. Donc c'était comme ça pour vous dire que la seule team où est, les vrais artistes, on les voit. Revenons sur nos moutons. Je parle à ma soeur qui veut faire la télé, soi-disant. Tu bois dans quel calabasse pour que ton mari rampe au sol? Le viens, on reste. Tu as la carte de 1 an, tu n'as pas la carte de résidence en France. Moi, je suis française depuis 2006. Je vais partout dans le monde, je suis allée partout. Au lieu de... C'est toi qui détruis la jeunesse. Au lieu d'encadrer les petits jeunes. Oh, mais c'est que... Et regarde le Congo, ça que tu fais. Allons sur la page. Je vais tourner la caméra. Et c'est ça qui veut faire la télé. On t'a dit que quand on veut faire la télé, on est dans les... On veut faire la télé, on fait la paix avec tout le monde. On fait la paix avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de parler avec les gens. Quand les choses te concernent, et si tu ne me vois pas, tu as détourné les produits de cette dame et madame Eyenga. Tout le monde a parlé. Est-ce que j'ai parlé de ça? Parce que j'ai dit en ce moment-là que je n'avais pas envie de venir entrer dessus. Demain, on va reparler des Amout. Oui, demain soir, je reviens dessus. Quand je réclamais mon argent, mes 11 000 euros que j'ai souffert. Quand je réclamais, tu m'as appelé quand j'étais au Cameroun pour me dire Assia. Puisque pendant ce temps, c'était la canne. Tu m'as appelé quelques jours avant, tu m'appelais. Avant que le gouvernement décide de vous rapatrier. Toi, soi-disant blogueur, vous partez au Cameroun. Le gouvernement décide de vous mettre dans l'avion 3 jours seulement au Cameroun. On vous a rapatrié en France. La honte de ça. J'étais là-bas en train d'enjoy moi ma canne tranquille. Avant que tu ne rentres, tu m'as parlé. Mais je ne peux pas venir commencer à dire que tu as dit que parce que c'est bas. Mais avant que tu ne rentres, j'ai su les problèmes que tu as eu avec ces gens-là. Oui. Et j'avais beaucoup de peine pour toi. Pendant que je pleurais mon argent, tu m'as appelé. Tu m'as dit que tu as mal. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais le direct sur le couple là? Sur le couple Amout. Tu m'as dit que est-ce que tu fais le direct sur eux? Tu leur as déjà appelé. Mais tu n'as pas envie de les atomiser parce que les abeilles sont déjà en train de leur traiter le faux cop. Moi, je t'ai répondu que dis-leur de me donner mes dos. Là où je suis là, non. Le foirat, ta veut seulement ma mort. J'ai besoin de mon argent. Tu m'as demandé à moi si tu fais le direct sur eux. Je t'ai dit, fais comme tu veux. Tu m'as dit que, parce que là où ils sont là, la façon qu'on les atomise partout dans le monde là, tu ne peux pas revenir rajouter. J'ai dit que, ok, tu as raison. Tu m'as dit, mon petit frère va te faire, donne-moi ton numéro Orange Money. Mon petit frère va te faire un envoi. Tu m'as fait l'envoi de 50 000. Où je t'ai même remercié, même publiquement ici. Ma soeur, tu me fais l'envoi, tu pars derrière de faire le Congo, ça que je manque 50 000 au Cameroun. Tu as besoin de donner à quelqu'un et venir faire le Congo, ça. Moi, je t'ai envoyé 200 dollars, 200 euros, je crois que c'était 200 euros. Pour acheter le pain d'Edouard Bala que tu ne m'as jamais donné. 2 pains, j'ai acheté pour la veuve. C'était à 50 euros. Je t'ai envoyé 200 euros. J'ai acheté le pain d'Edouard sur PayPal. J'ai les preuves. Je t'ai envoyé 200 euros. Pour acheter le pain de la veuve d'Edouard Bala. 100 euros, elle et moi. Tu m'as déjà donné le pain, non. Tu as donné la veuve, non. Ça fait 100 euros, non. J'ai acheté les gélules. 2 paquets. Je pense que j'avais payé peut-être aussi 100 euros. Je ne sais même plus. Est-ce que je lui parlais de ça? Hein? Tu me donnes
Ça m'a aidé. Merci beaucoup. Mais quand tu peux maintenant raconter, tu penses que tu peux me suivre. Tu parles à une fille qui possède un immeuble. Une fille qui a fait, on a vu que, même si j'ai faim, que ça ne va pas, on me chasse ici en France. Hein. Je pars au Cameroun, j'ouvre la porte de notre maison, je me couche là-bas, je dors. Tu me sabotes pourquoi? Hein? On m'a donné, les Ivoiriens, les Apoutchou, Apoutchou m'a donné le trophée. On nous a invités, tu es arrivé là-bas comme le rat palmiste. Je suis arrivée comme une reine. Oh, fleur de Lille. Mafo, tu as confirmé que la star, c'est moi. Je ne discute pas avec toi. Elle se discute. Tu es quelle star? Tu es la star de tes faux profils, Lolo Magnoc, derrière. Mais est-ce qu'en vrai, dans la vie, tu es une star? Non, tu es d'aller où on applaudit pour toi, on a vu. Nulle part. Quand tu pars que pas, tu rases que les murs, tu es derrière. Hein? Tu parles de quoi? Qu'on te jalouse. La coupe, le trophée qu'Apoutchou m'a donné. Donc tu as jalousé même ça. Que je suis allé prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. La honte, de, honte à toi. Donc tu jalouses le petit trophée. Je ne sais même pas. Où on a même volé ça. J'avais tout ma coupe du monde là que marchait avec. Donc maman, donc tu jalouses les trucs là qu'on donne. Est-ce qu'il y a l'enveloppe derrière? Tu jalouses tout. C'est une maladie. Tu vas parler à petit Toby. Il va te verser demain. Le monde entier sera à l'heure de ton direct. Tu n'as pas honte? Mais respecte-toi, bon sang. C'est toi qui veux marcher avec le gars et Kangla qui entre dans les ministères là. Tu vas marcher à côté. Oh, la deuxième femme de ça, oh. Maman Nanjomba. Ah, c'est sûr que comme il est sec là, il doit gnasse bien, non? Combo de ça. Il faut qu'on me présente un gars bêtis. Il veut voir ce qu'il y a là-bas dedans. Mais il faut voir. J'ai dit que, maman, oh, l'Anjomba de ça, oh. Je comprends pourquoi double côté était jalouse. Vous dites que je ne reste pas longtemps en amitié. Elle est où avec Chantal Haïssi, qui était avant mon amie et qui m'a fait le double jeu. Parce qu'elle voulait faire comme si elle me commandait. Une femme qui fait le bien reste chez un blanc. Non mariée officiellement. Elle va me commander en bain par rapport à quoi? Hein? Chantal ici n'était pas mon amie ici là. Elle a voulu me commander quand elle me voit avec un artiste, elle appelle. Oui, l'artiste est pauvre. C'est monté, c'est descendu. Tout le monde connaît sa stratégie. Quand j'étais plus jeune, elle m'a proposé que s'il y a les hommes qui viennent du pays, elle me présente. Mais comme je suis pas une bordel, j'ai refusé. À l'époque, elle était dans le tcham avec Mani Bella. Oh, je pouvais même dire le Congo ça qu'elle a dit sur Mani Bella, mais je n'ai pas voulu verser. Je pouvais même verser le Congo, ça même qu'elle a dit sur... Elle a arraché au Méo Dika à Maman Kachino. Vous n'êtes pas au courant. Elle a arraché là-bas. Il faut la voir quand elle est blogueuse. Elles sont devenues amies ici, non? Elles sont devenues amies sur Facebook ici. Il faut voir quand elle pleurait avec chez moi. Hein? Elle pleurait comment son grand frère l'insulte, son grand frère la tape. On dirait que... vraiment... On revient sur toi. L'autre là, ce n'est pas un problème. Là-bas, c'est machin que je salue. C'est juste qu'elle allait faire la paix avec mes ennemis. Elle ne m'a plus dit. Maman, ton amitié avec machin est où? Il faut voir dans le clip. C'est toi qui es venu gâter le clip de machin. Son clip là. Elle a pris les nyama nyama de Facebook pour mettre sur ça. On est artiste, on n'a pas de clan. Quand on est artiste, non, on est avec tout le monde. On joue l'hypocrisie. C'est de ça qui... Donc, les artistes comme sont comme les politiciens. Quand on est déjà artiste, non, on est avec tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il n'y a pas que tel m'avait insulté, c'est monté. Moi, tu m'insultes, tu m'invites à ta soirée, tu payes mon cachet, je viens. Mais de ça qu'il s'agit. Ces hommes-là qui t'ont payé le terrain. Ces hommes-là qui t'ont payé le terrain. Depuis que tu es en France, Lolo, tu as dit que tes parents t'ont laissé l'immeuble à Kribi. Quand je vais aller au Cameroun, je vais aller à Kribi, je vais demander
où se trouve votre maison à Kribé. Je vais faire la photo devant. Parce que tu te vantes, toi, avec le bien de ton père. Je veux voir cet immeuble-là. J'ai envie de voir. Mais c'est que c'est les anciennes maisons en étage avec le balcon en... avec le ciment comme ça, non? Je vais me filmer devant. Pour te montrer que tu peux même faire les travaux. Si tu es un enfant, fais les travaux. Tu n'es pas seul, vous êtes nombreuses. Quand les parents nous laissent l'héritage, par derrière, les enfants se battent pour entretenir. Je vais me filmer devant votre immeuble à Kribi. Pour que tu aies le terrain, ces zones-là, tu nous as dit, ces zones-là, des zones-là qui t'a acheté le terrain. Toute ta pimenterie que tu as vendue en Europe, tu as fait quoi avec? Le blanc qui te donnait 10 000 euros au distributeur, parce que quand tu parlais avant, la tour de contrôle, la tour de contrôle, Lolo, la tour de contrôle, quand tu balançais tes gros nibas, quand tu étais un chinda de compresseur, que tu balançais tes gros nibas, pour dire comment tu es la tour de contrôle de Cannes. Vraiment, si j'étais une bordelle, je viens à Cannes là, vous pensez que vous pouvez me dégager? Une fille comme moi qui a traîné avec les Nanja, j'aime marcher avec les Nigériens. Donc, quand j'arrive quelque part, c'est moi qui te dégage, je t'accompagne à la gare. J'ai été chauffé. Hein? La tour de contrôle. Mon blanc, je retirais 10 000 euros au distributeur. Maman, on peut dire retirer 10 000 euros. Elle, Lolo, tu mens. Tu avais dit que tu retirais les 10 000 euros au distributeur, que ton blanc te donnait la carte noire. Pardon. Les gens qui ont la carte bancaire noire, je n'ai jamais vu. C'est que sur la télé que les filles milliardaires Facebook là qui postaient souvent ça avant. Avec ça, on retire 10 000 euros au distributeur. Je veux savoir, hein. Avec la carte noire des milliardaires, on retire 10 000 euros au distributeur. Tu tapes le code, 10 000 euros sort. Je demande. Moi, c'est que on commande les billets à la banque qu'on va retirer. Hein? Tu as fait quoi de ton argent de la bordelerie? Parce que nous tous, nous sommes les anciens bordels. On ne s'en cache pas. Nous sommes les anciens bordels. Les anciens poclettes. Reconvertis. Reconvertis. Comme les Feyman sont aussi reconvertis, ils font la sécurité. Tous les Feyman font maintenant formation sécurité. Tous les anciens bordels font maintenant femmes de ménage. Aide soignant pour celles qui sait écrire aide soignant. Sinon, aide aux personnes âgées. Hein? Parce qu'on ne compte plus sur le piment. On ne compte plus sur le piment. Le piment est rare. Tous les anciens bordels, c'est aujourd'hui que certains bordels font le projet. Quand il se fait tard. Oui, les sacs à main, nous, on a acheté. On a acheté, oui. On a acheté les sacs à main. Les chaussures. Même les Feyman, quand un Feyman a 2000 euros, il ajoute les 0,0 derrière, ça fait 20 000. Il vient s'asseoir. Les Feyman boivent encore trop le champagne. Parlons, la vie est dure. La vie est chère pour tout le monde. Maman, les Feyman achètent encore, ils boivent encore en désordre. Maintenant, le Feyman qui dit que je suis, il montre sa maison qui est conçue, on voit. Les histoires qu'acheter les canapés à 5 000 euros, les gens font encore ça, hein? Que les gens ne réfléchissent pas. Quelqu'un cherche l'avenir de son enfant. Les femmes même sont en train de se marier là. Parce qu'ils ont compris, les bordels n'ont plus les dos. Maintenant, ce sont les filles qui ont un salaire fixe. Les femmes cherchent maintenant une fille, te drague. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles. Quand tu travailles, il dit que oui. Il est avec toi. Parce qu'il sait que, hein, il ne peut plus compter, il ne peut plus compter qu'il va avoir. Hein? Même les femmes ont fait sécurité. Pour ceux qui sont allés à l'école, on fait les formations propres. D'autres vont même chercher à travailler en Allemagne, à Luxembourg, partout là. Ils vont travailler là-bas un peu. Ils ne restent plus à la maison. Même les femmes sont fatiguées. Quand le piment ne donne pas, les femmes sont nerveuses. Beaucoup ont garé les camions. Parce que même les permis ont été retirés. On a démantelé le réseau. Tu es chauffeur, tu conduis le camp pour aller déposer au camion au bois de Boulogne. On t'arrête, on jette les bêtises à la fourrière. Même au bois de Boulogne, il n'y a plus la place. Ça ne donne plus. Les femmes ne comptent plus. Le piment est descendu à 15 euros. Il y en a qui prennent 10.
Airbnb a démantelé les Waka. Elles ne peuvent plus aller prendre les appartements des gens pour dire que aller work et compter dessus. Oui. Ma copine et moi, nous sommes les anciens aristocrates. Oui, anciens aristocrates. Pas le bébé qu'on vous raconte. Vous pensez que les petits bordels là, vous pouvez me faire peur avec quoi? Une fille comme moi qui accompagnait. Tu arrivais dans la ville à Lille. Je t'ai chauffé, je t'accompagne à la gare. J'arrache ta perruque, je te mets dans le train. Vous n'avez pas encore demandé de mes nouvelles parce que je suis calme. Je suis une fille de Roubaix. Oui. Je ne m'en cache pas. Je suis une ancienne délinquante. Oui. Donc quand je vous vois faire vos petits trucs à la con là, moi, ça me fait rigoler. J'ai accompagné les gens à la gare. Je te prends ton sac. J'arrache ta perruque, je te remets ton sac. Si tu n'as pas le transport, je te paye le train. Je dis que rentre d'où tu viens. Tu ne t'installes pas dans cette ville. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu dis que tu étais chef à Cannes, j'étais chef à Cannes, tour de contrôle. Vous partez là-bas chez Mathieu de Blanc. Tu as cotisé combien? Parce que vous allez voir chez elle. Vous tous les bordels, la majorité des bordels de Paris ont travaillé chez Mathieu de Blanc. Il est hors de question qu'on appelle les gens aujourd'hui de cotiser. Parce que Ouang Angoulama appelé pour me dire qu'il faut cotiser et t'as pas pour Mathieu de Blanc. Je ne refuse pas de cotiser. Mais tous les bordels qui partaient à Cannes travaillaient dans sa maison. Dans son appartement, ils ont donné combien de gens qui ont work là-bas? Tous ces bordels d'avant, tous les anciens bordels qui ont travaillé chez elles. Toi qui étais la tour de contrôle, donne-nous la liste des bordels qui ont travaillé là-bas. On réclame l'argent. Elle était chef au Tchad. Pour chercher les militaires, non? Non, parce que quand Lolo s'assoit, elle dit comment? Elle était la fille du commissaire priseur. Elle devait faire 54 pays avant d'arriver en Europe. Gabon, bordellerie au Tchad, bordellerie au Gabon. Elle connaît tous les surnoms. Je n'ai jamais été bordel jusqu'au pays. Je n'ai jamais connu la bordellerie. Elle a fait tout le tour jusqu'à arriver en Europe. Comment la fille d'un commissaire, un homme digne, comment tu peux être fier? Tu bosaillais pourquoi? Pour aller chercher quoi l'avenir? Tu es donc ici, tu as donc fait quoi au pays de bon? Parlons peu, parlons vrai. Puisque toi et moi, on a un projet de rentrer au pays. On en avait parlé la dernière fois que Kota, que Yam. On disait Yam. Alors si le pays est trop sucré, mieux quelqu'un consulte ta maison. Il t'a dit, je vais consulter ma maison. Ça, c'est même pas un problème. Toi, tu as commencé ta part de chantier, comme on s'était dit là. Ma copine est là, elle va lancer sa part l'année prochaine. Ceux qui sont là, qui ne me donnent pas les sacs de ciment, comment faut? Voilà même quelques sacs de ciment. Je vous vois, hein? Je vous vois, hein? Je dois couler la dalle. Vous ne me donnez rien. Quand vous allez... les anciens bordels de Malabo. Maman Sarah. Ouais, Seigneur. Quelque chose, hein? Vrai. Quoi, safari, hein? Devant la banque, ah, non, ouais, ouais, franchement. Voilà donc pourquoi je sors parler sur Facebook. Je pars chez Waris. Je tourne la caméra, hein, les gens. Je vais mettre la caméra, on écoute alors comment. Je m'en vais d'abord chez Waris. Waris, tu sais, ta façon de parler... C'est un genre, hein. Tu dis que, tu crois que quoi, tu penses pas, tu fais le direct, que les teams, mais franchement, tu es, une team vient te laver, rincer, tu viens nous dédouaner quoi. Voilà notre fille. Balatana Hoa. Mais bon, ma bébé, venez. Voilà. Voilà. Vous voyez bien. Non? Voilà. Je vais tiens le poulet là. Ben, ça fait longtemps que je suis fou. C'est le week-end, je m'en bats. Quand on était fou, je suis en train de faire la écoutons. Je dis, quand il est dans mon direct, il empêche quoi.
Waris, parle vite. Oh. Waris, parle vite. Mais comment? Attendez, mais là où il parle. Et le manioc l'a lavé, rincé. Allez, va. J'ai dit à Tommy, j'ai dit à Tommy que dans tout ce que j'ai eu comme gang sur Facebook, les 80% qui m'ont lancé, ce sont les abeilles. Dans la vie, si c'est pour ça que vous allez me lapider parce que je reconnais les bienfaits des gens, lapidez-moi à voir. Les abeilles connaissent les deux. C'est ce que moi je dis. Que les abeilles, quand tu as les abeilles sur le dos, ils te lancent beaucoup financièrement. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que quand je vois même là, Fleur de Lila elle-même là, ça se voit que par exemple, les abeilles là me donnent, elle doit être en haut. Ah bon, hein, tu vois passer tes allées avec te donne qui me donne tout. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Je me cache pourquoi. J'ai dit, Florine et de nous tous, c'est elle qui gagne beaucoup sur Facebook. Ce n'est pas pour ce war, c'est la vérité. Oui, je dis que tout le monde gagne pas. Mais celle qui gagne le plus sur la toile là, parce que toutes ces fans là m'ont beaucoup lancé. Et c'est normal, c'est ça, quelqu'un, c'est sa passion, la passion a tenu les stars à la cata. Attendez tout. J'ai dit que oui. J'ai dit alors, si tu me dis ça là, ça c'est vrai, j'ai parlé ça avec Tobi. Voilà. Le Congo, ça de Lolo. J'ai parlé ça avec Tobi. Donc si tu me sors ça, c'est la vérité. Attendez. Donc je m'excuse. Voilà. Écoutez, Ufutu. Il y a la partie que Lolo dit que, Wari, ça fait 4 ans que je n'enregistre les gens. Mais quand Tobi a prononcé ton nom, c'est là que j'ai commencé à l'enregistrer. Comment tu peux être ça, tu as moi-même la voix de Tobi. Mais quand t'as pas vous entendez là, que ma mort vient mourir. Et il savait que Tobi a commencé à me parler aussi cette histoire. Parce que Tobi même jouait comme ça là. Jouait les doubles jeux. Avec moi, je le connais. Comment est-ce que le Lomania? Et c'est ça qui te fait mal. Ma chérie t'es ramassée. Je dis que même dans ton faux profil, je donne ton faux profil. Et je vais dire cachant à tous les faux profils. Allez voir comment une Camerounaise est stock. Et une Congolaise est stock Camerounaise. Un faux profil Congolaise. Et seul ton Waris qui est compté Camerounais. Dans un direct. Tu es toi la haineuse. Lolo, tu m'as dit au téléphone que dans cette histoire. Hein? Dans cette histoire. Merci beaucoup pour les le nom du star qui passe partout. La bassesse. La seule personne qui était au courant de l'arrangement de Tobi, c'est que Tobi disait c'était toi et général Nimbo. Parce que je ne veux pas la fabriquer. Elle ne serait pas connue. Tu ne vas pas être connue. C'est moi qui te dis. Et quand par exemple, c'est un général Nimbo. Moi qui n'étais pas dans vos histoires, je t'ai écouté. Tu as une émission à faire. Je ne suis pas venu parler. Je ne veux pas m'asseoir dans un direct où elle a fait le test. Tous les petits trucs que tu faisais avec elle, papa. Wow. Et vous prenez ça, vous trouvez ça normal. Puisque même le m'a fait écouter l'enregistrement de Tobi. Hey! Le m'a dit qu'il y a des trucs, c'est que mon ami même voulait envoyer à Tobi. Bah, c'est mon ami qui a envoyé le téléphone de mon ami hier parce que je voulais confronter Tobi hier avec Lolo. Parce que Lolo même voulait confronter Tobi. Hey! Vous comprenez non? Lolo voulait confronter Tobi. Mais Tobi n'a pas répondu, c'était avec le téléphone de mon ami. Mon ami, comme je n'étais pas bien, par exemple, je ne suis pas bien là. Quand j'écoutais la voix de Tobi, oh Lolo. Je vais le piéger, on va le piéger. Ou aussi, Loiris a dit que jusqu'à l'octobre, se moque de mes 20 000. Mes 20 000, je devais l'envoyer. Que je ne suis rien, moi, je n'ai jamais dit que c'est quelque chose. Donc, c'est pour ça que Tobi, si tu m'appelles, je ne décroche pas. On n'a pas de problème. Je te prends comme un petit frère. Seulement, aïe, ne viens pas dans ce terrain-là. Parce que moi, tu m'insultes. Ah, tu es là-bas, je suis ici. Et nous sommes tous, je suis très mal à temps. Parce que ce que j'ai écouté venant de ta bouche. Ça ne m'a pas plu du tout. Quand vous allez voir ce qui se passe, Tobi commence à se plaindre qu'on ne partage pas son mur. Moi, je parle beaucoup avec Tobi. Je parlais avec Tobi. Partagez le direct et mettez les étoiles aussi et commentez. Et mettez les cœurs. Je commence à. Toi, tu as fait ta gueule. Je commence à. J'écoutais Tobi tout le temps. Je ne prends personne. Bonjour, Christian de Monaco. Je ne prends personne pour l'instant. La fille de maman parfait. Je ne prends personne pour l'instant. Quand Tobi. Et moi, quand j'appelle tout le temps, Tobi me se plaint qu'on ne partage ses directs et tout. Je dis à Tobi, parce que Lolo m'a dit, et tout ce que Lolo m'a dit hier là, moi j'ai assumé. J'ai dit, écoute, c'est vrai, moi j'avais dit ça, parce que voilà ce qui s'est passé. Quand Tobi m'appelle,
qu'il a, il, je vois qu'il est mal rapporté, il est un nouveau blogueur. Je lui ai dit, dans ce cas, quitte le mania, alors, va faire ta page seule. Je t'avais dit qu'il avait des teams là, maintenant, je te plains, tu as donc vu les teams, j'ai reconnu ça sur le groupe, parce que moi, j'ai peur de personne. Et c'est normal, c'est ça, quelqu'un, c'est sa page, c'est ma page, on a tenu les stands à Kata, d'après nous. J'ai dit que oui. J'ai dit à l'autre, si tu me dis ça, là, ça, c'est vrai, j'ai parlé, c'est avec Toby. Mettez les cœurs. Regardez comment le nom d'une stam racatée dans la poubelle. C'est la vérité. Donc je m'excuse, voilà ce qui s'est passé. Et la vérité, je vous dis, Toby, comme tu es là, quand on parlait toi et moi, je t'ai dit que oui. Je t'avais dit dès le début que Toby va perdre ton blog. Je les avais que quand tu es dans une team, ça va te caler sur vous. Fais ton blog. Et puis les stam racatées là aiment toujours qu'on persiste toujours à leur nom. C'est la vérité. Elles vont toujours dire qu'on n'en voit pas. Mais quand je suis au nom de Stam Rakata, je suis moi-même Stam Rakata. Et quand on est à mon nom, quand c'est en palabre, j'aime aussi. Ne nous mentons pas. Je ne suis pas comme. Ne faites pas les semblants. On est tous ici sur le game. Voilà comment je parle à Lolo. Lolo me dit que si j'ai enregistré Toby que tu écoutais là, c'est parce que quand elle a prononcé ton nom, moi je te connais depuis les années. Demain, c'est le grand frère, 17h30. J'ai dit Lolo, voilà comment j'ai avoué. C'est là que j'ai. Moi, il me dit que bon, quand Lolo me fait écouter ça, mes amis sont ici. Toby, si tu remarques bien, tu as eu un numéro de téléphone pour un ami, pour un numéro français. C'est moi qui t'appelais parce que ton téléphone se voit avec Lolo. Lolo même a voulu t'appeler avec un autre WhatsApp. Elle voulait te confronter. C'est là que je me suis posé demain à Lolo, mais je demande qu'elle. Attendez, je vais vous faire écouter les enregistrements de mon ami. Là. Parce qu'on voulait t'envoyer Toby. Ça n'a rien à voir avec Lolo. Fais écouter. Moi, général, il faut. Attends, moi, j'arrive, tu me connais pas en avant. La team Balata. Ça, c'est la team Balata. Et après, je sors. Moi, je veux que vous écoutez comment Lolo se salit partout. Elle parle avec tout le monde. Une star ne se comporte pas comme ça. Je suis désolée. Ah, non, 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 non. Ish. Je ne vous mens pas, ce n'est pas moi qui ai enregistré, je ne connais pas enregistré, c'est mon ami, parce que j'avais essayé de prendre des amis pour qu'on ait eu Toby. Je me disais que comme Toby a ses projets, si mes amis, je les... Tu cherches à abriter son émission. Ça me fait quoi? Je vais chercher à faire quoi? Chaque jour de son émission, il lance ma part. Vous allez voir, ce n'est pas mon téléphone. C'est lui qui, comme il avait le mot de Toby, c'est lui donc qui enregistre... La pratique est quoi, parce que j'étais mal hier. Mettez-moi ma place. J'entends Toby, Toby, que moi, qu'on parle, même qu'on fait le compte. Déjà, je vais te dire une vérité. Et tu peux demander à Lolo Fondja. Je juge sur ma ballerine que la ballerine de général le Mimbo. Hein? J'avais dit à Lolo Fondja, parce que mes amis ici, j'avais dit à Lolo Fondja que je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne sais pas que c'est Toby. Il est tombé sur Instagram, sur Facebook, à mot de blague. Je lui ai menti, je demande ça à Lolo Fondja. J'ai menti à Toby qu'il y a un bazar qui est venu ici, alors que c'est faux. Bah, mes amis sont là. Il n'y a jamais eu un bazar ici. Il n'y a jamais eu un bazar ici. Je suis sur la tête de ma mère qui est au Cameroun. Et c'est que, bon, ma maman me dit, elle est sortie sur la tête de l'étombe. Maintenant, je t'ai dit que je t'avais sorti aussi une histoire qu'il y avait le bazar, que j'avais dit à Lolo. C'est parce que j'avais appelé Lolo pour lui dire. Hein. Parce que je voulais voir si Toby, tu savais des fois. Mais le sparadrap. J'avais dit, t'avais aussi dit, t'avais parlé du bassin. T'avais aussi parlé de. Voilà. C'était ton gars. Quand j'étais en conférence avec toi et Lolo Fondja. Oh, elle m'a mis la conférence. Quand j'avais fait la conférence, toi et Lolo Fondja, je ne t'ai pas au Luxembourg. J'ai dit à Lolo que je t'ai menti. Ha! J'ai dit à Lolo Fondja que je t'ai menti. Je ne suis pas au Luxembourg. J'étais à ce bar. Dans les Ardennes, à Champagne. C'est vrai que le Luxembourg n'est pas là, je partais pour chercher les champagnes pour mon anniversaire. Et si tu te rappelles, c'était ça. Moi, quand j'écoutais ta voix, Toby, dans l'enregistrement, où tu dis que tu vas me piéger, et tu te dis encore le loi, jusqu'à 5 enregistrements. Parce qu'elle m'a dit, tu vas écouter l'audio, j'attends que mon ami. Bon, là, lui dit le téléphone, là, qui débrouille, ça, c'est pas bon. Tu veux t'écouter, c'est quoi? Oh, vous voyez, ce n'est pas possible, j'avais ça, que j'avais appris, j'allais faire jouer. Tu vas écouter. Il y a pas la partie de l'enregistrement parce que quand mon ami a vu que t'es pas bien, parce que quand j'aime quelqu'un, oh mais des soins, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et je vais dire à la team de Lomania que, méfiez-vous de votre. Moi je connais le général, c'était notre général que nous on connaissait qui était, comment ça s'appelle, Wakatolo.
C'est Wakatolo qui était très très loyal avec Lolo qui partage le combat. Donc c'est elle que moi je connaissais. La Mimboko ne va pas. Vous préparez des teams même. Les filles. Waris n'est pas sérieux. Tu veux jouer au jeu. C'est toi qui joues la Waris. Ça va te retourner dessus. Tu n'es pas clair. Lolo, je te dis une vérité. Si tu me crois pas, ma bouche comme le doigt de l'Ondambi. Tu vas me donner raison demain. C'est la générale là. De Chikwan, votre général de Chikwan qui te manque les Gabonaises. Je vous confirme qu'elle n'est pas Gabonaise, elle est Congolaise, elle est Guinoise. Moi je vous dis, votre général Mimbomla n'est pas Gabonaise. Tu n'as pas dit, tu n'as pas venu me dire à moi qu'elle est les Congolais. Les Gabonais parlent pas comme toi, tu es menteuse. En plus tu es une élevée, tu es menteuse, ta mère compte. Il est élevé, vous allez chez moi tout le monde. De mon petit boulot. Là tu me présentes des balatoises. Je vois que Toby m'a cargué. Déjà que j'avais le. Tu sais, vous savez, moi, mes négociants, vous me connaissez. Quand je suis énervé, je ne jacasse pas. Et je ne voulais pas parler de ça dans le direct parce que Lolo va. Bonjour Toby, chou, prends venant. Prends venant, ça va, Franck. Je choupi ta. Franck chou. Je continue selon le travail qui a commencé. Mon fils, chou, envoie ta photo pour la fiche de demain. Je ne peux pas supporter que. Sur WhatsApp, une belle photo, on te sort la fiche. Le manuel là-bas, elle ne m'a pas insulté. Mais aucune là-bas n'a dit à Général Mimbo que laisse Waris tranquille. Est-ce que vous venez sur la métier, vous voyez que je ne permets même pas qu'on insulte Lolo. Si j'attrape, il y a une là qui est sur les entrées de Lolo, hier je l'ai bloqué devant vous. Tu n'es pas clair, Waris. On n'a rien compris, non, on t'aime comme ça. Ne pas appeler la venue sur Lolo, je te fais descendre tout de suite. Laisse. Tu ne veux pas qu'on parle de Lolo, mais tu parles d'elle là. C'est de qui que tu parles? Toby. Mais quand tu ne veux pas qu'on insulte, tu ne parles pas d'elle. On va peut-être reposer avant que tu reviennes. Mais je vois que ce Jupita, Lolomania, on m'insulte, elle appelle le faux français. Quand l'équipe, moi ce n'est pas que je l'ai aussi abominé avec les commentaires, mon conseil. Et Jupita appelle le jeu que je montre mes amis ici. Mes amis, regardez, je sors du jeu, je reviens, mais appelle, elle n'accepte pas. Je sors du jeu, je reviens, mais appelle, elle n'accepte pas. Jupita allait me prendre. J'allais la ramasser là-bas. Toi, je vais te prendre à la fin. Mais toi, tu as un faux profil. Moi, je ne discute pas. Ne crois pas que tu as tué mes mots. Non. Je dis non. Pardon. Ne l'appelle pas Lolo Pipi. Je n'aime pas. Je ne vois pas tous les commentaires, mais je vais t'attraper. On l'appelle. Donc, c'est comme ça que. Tu ne peux pas contrôler les faux profils. Je demande à mes amis ici que, mais ce n'est pas Lolo si tu m'as. Voilà. On a connu. Les voisins, les gens qui font les jurés parlent fort. Heureusement que mes voisins ne. C'est pas nous qui m'effectuons le direct. Je te. Vas-y. Les voisins, comme ils font le direct. Vas-y. Vas-y. Non, c'est pas un tchako, il a pas là-bas. Barry, ça veut pas attendre longtemps comme ça, c'est quoi? Vous voyez, non. Maintenant, en tout cas, moi, je ne connais pas. Mais là, c'est Toby qui m'avait informé. C'est là que le maniaque dit que c'est moi. Qui la voit, qui fait quitter la team de Lomania, ou c'est moi qui les manipule, patati patata. Donc, comment c'est les affaires des ragots de quartier, je rigolais, je disais que laisse-les parler. Bon, la balata. Maintenant, hier, quand j'ai eu Lolo, Lolo m'a sorti la version que oui, Toby. Donc, elle m'a même fait écouter l'enregistrement. Et quand vous avez écouté l'enregistrement, même que mon ami avait fait, pour envoyer à Toby qu'on voulait aider. C'est facile de téléphone, mon ami, vous voyez bien que c'est pas moi. Regardez, ce n'est pas moi. Vous voyez, c'est pas moi, j'ai même pas le mot de passe. Donc, c'est comme ça que mon ami. Attends, écoutons d'abord. C'est comme ça que, de là, comme tu viens d'arriver, Choupita, tu viens d'arriver. C'est pour ça que j'ai mis dans mon direct que, quand vous allez savoir la vérité, il ne faut pas pleurer. Dès que j'ai fini mon direct, je vous recapitule encore. Ok. Voilà. La deuxième fois maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé à Covid à mon anniversaire, la durée, mais on doit la dire à deux semaines là. Il est parti en soupe à la 7 ans. Voilà, je suis. Oui, ma grande, je t'écoute. Quel avec. Hein? Quel que soit le sujet. On t'écoute. Waris, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je pose la question à Toby. Toby, est-ce que tu reconnais d'avoir fait le Kongosa de Waris avec Lolo? J'ai fait le Kongosa. Moi, je reconnais la partie que Waris dit qu'on a parlé. Il a dit que les abeilles sont plus. Donc, on dépasse les Lolomaniens. Les abeilles dépassent, c'est vrai. Avec les débats.
Regardez un peu une femme qui va faire la télé, comment on fait le départ du Congo, ça sur elle. Ça, c'est de la souillure. Elle m'appelle le jour que Waris est appelé le noir. Elle vient avec les débats. Et par rapport à ce que le a dit à Waris, que pour, je me suis moqué de ton âge, je n'ai jamais dit cela. Je dis jamais au grand jamais. Attends, tu n'as pas honte. Tu as répondu à ma question, c'est ce que je voulais savoir. Waris, ouais. Seigneur. Toi, tu es un grand garçon. Tu n'arrêtes pas de dire que Toby, c'est un enfant. On est d'accord. C'est la partie de Zogo. Si Lolo, qui est grande sœur et qui connaît comment ça marche, elle s'assoit, elle parle de ton nom avec Toby, je suis désolé, Waris. Tu sais où tu dois t'énerver. À un moment donné, il faut réfléchir. Vos amitiés là, comme vous dites. Dolé Miondo a raison. Vraiment, moi, je comprends plus. Ah, dis-toi, c'est toi, Waris. Je veux pas que tu me dises ce que Lolo a dit, puis Waris. Dès lors que vous avez fait le Congo ça de Waris, déjà pour moi, c'est grave. Je veux même pas savoir. Il va raconter tout demain. Miondo, je te retire, rappelle encore, je récapitule encore. Merde. Lolo a dit dans sa bouche qu'il y avait une Julienne qui était témoin. Il y avait on parle vraiment d'une grande dame. Julienne, là, c'est une grande dame. Quand c'est Toby qui a donné le nom, et c'est parce qu'on m'a dit justement parce que Lolo ne connaît plus au téléphone. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Oui. Et qu'elle avait, elle avait décidé de ne plus prendre au téléphone parce que si moi je ne peux pas parler de la rapesse en parlant de Toby, elle aussi, elle ne se rend plus. Tu comprends la vérité? Dans le Congo, avec Lolo, quand Lolo amène le débat, quand Lolo amène le débat, quand Lolo amène le débat, tu comprends très bien. C'est là qu'on parle. Donc, Facebook, en 2023, c'est à un moment donné, il faut. Moi, ça me dérange même plus de la mienne, mais j'étais un peu déçu. Je me suis dit que déjà, le bicho a envoyé les bosses là depuis. Non, tu sais quoi, on n'a pas envoyé les bosses là. C'est moi, j'ai écouté ça hier. Parce que le côté que vous l'avez reçu là, de la mienne, c'était pour envoyer à Toby parce que j'avais fait la réunion, c'est mes amis, tu comprends? C'est que tu as dit 15 000, c'était de la soupe. C'était pas 15 000. Maintenant, c'est mon ami. Tu es en train d'en vouloir, Toby. Mais tu ne comprends pas le sens. Je sais que c'est comme ça que vous que si Lolo même regarde en rentrée, je vais dire à l'autre que peut-être que Lolo va prendre les tatous là. Si elle m'envoyait ça la musique en écoutant ça, j'allais péter les plombs. Tu comprends ce que c'est? Mais j'ai écouté. C'était juste la tête de ma gamme quand la tête la tombe actuellement, ma mère est partie au pays lundi là. Yeah. Tu m'entends, non? J'ai juste les tombes quand la tête pas habituée. J'ai écouté la voix de tout. Et ce qui me fait mal, c'est que tout le monde fait le Congo, c'est tout le monde. Je ne pouvais pas savoir que Toby, tu voulais me piéger par quoi? Quand tu faisais qu'il était dit qu'il était le Lomania. Il était dit qu'il était le Lomania. Il te dit que si tu n'es pas à l'aise de part, fais tes choses, fais ton blanc. Waris, laisse-le parler. Quitter le Lomania, c'était moi. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai levé moi là les problèmes. Je dis que ce n'est pas aujourd'hui. Le Lomania, ça y est. Aujourd'hui, c'est le cas la cité à l'extérieur direct. Je te dis encore, je te répète, j'étais en train de museler Lolo. Lolo enregistre, ça veut dire qu'elle est petite dans la tête. Ah, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que quand elle a commencé la faire, c'est moi qui me suis placé. Arrêtez ça. Vous voulez parler à moi. C'est-à-dire, moi, je veux. On voit bien quelqu'un qui réfléchit très bien. Et que Lolo arrête la manipulation. Elle arrête ça. Elle arrête ça. C'est souillant. Pardon, pose ton sac là-bas, on écoute le Congo ça. Quelle arrête ça? Oh, Waris, tu... Si elle veut recouvrir les plats comme ça avec toi, qu'elle raconte les plats doucement, elle me dépose tranquille. Elle me dépose tranquille. Lolo a quel âge? Quel âge? Elle a quel âge? Quel âge? Je pense qu'on peut continuer à m'arrêter qui? Mais elle a quel âge? Elle arrête ça. Mais regarde même. Bref, c'était pour te dire que... Tu es connerie. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je te fais même pas. Si je fais le tirer la douleur, non, c'est parce que la génération qu'on avait cité, laquelle a parlé hier, là, elle est le soutien. Quand le magicien fait son église, moi, je ne sais pas. C'est vous, le loup qui m'a fait.
Même le nom de Flore de Lune, c'est Lolo qui m'appelle. Le nom des compositions, c'est elle. Le nom des Muriel Blanc, la honte de ça. Bipé Muriel Blanche demain, hein. Tu vois les clashs qu'il y avait là, non? Parce que... Moi, je n'ai pas parlé de ça. Du long. Un long message écrit pour maman. Ouais, Waris, laisse un peu, non? Arrête de jouer le double jeu là. Laisse-le parler. Il faut que tu comprennes que Dieu cherche ta compréhension. Comment on dit, quand c'est la team, on défend la team, mais je ne peux pas faire ça. J'ai une parole, c'est la team qui est là pour mon petit frère. Non, à un moment, c'est vous, arrêtez. Elle a quel âge? C'est une fois la tête qui est là maintenant. Je n'ai pas accouché, si accouché, c'est tout ce que tu as fait. Parce que la reste, c'est tout. Il faut prendre ta place. Dépend la place de ton âge. Même si elle regarde comme. Parle-moi, déjà, moi, je suis ton aîné de loin. Prends ta place de ton âge. Prends ton âge, tu ne mets pas sur toi aussi. Il faut que tu aies dit la vérité. C'est quoi la vérité? Oui, la vérité, puis même l'autre composant. Est-ce que tu sais comment elle parle à Lolo? Parce que est-ce que tu sais comment elle parle à Lolo? Ce qu'elle parle avec Flo. Est-ce que je vais venir faire la vérité? Non, on ne parle de rien de sérieux. Chacun parle de comme ça. Quand Erin, je vais te dire une chose. N'entre pas dans le jeu de tout ça. N'entre pas dans le jeu de tout ça. Si on t'a inscrit aujourd'hui, Lolo connaissait. C'était 10 ans encore et je te répète ici. Lolo connaissait. Il ne peut pas faire un truc dans la rue sans que Lolo ne connaisse. La rue quoi? Choupita a lancé le direct. C'est pas pour rien. Elles ne peuvent pas. Les têtes de moi qu'on envoie. Tu vois, il y a des hypocrites. Je m'en fous. C'est pas que je sois. Voilà. Je te dis et je te répète. Sois vraiment ça. Parce que même si tu voulais me snobber aujourd'hui, je vais au moins me répondre. Me dire que non, ça va le parler. Moi, ce que je veux dire, c'est que tant que vous, les adultes, vous ne vous respectez pas, ces enfants ne vont jamais vous respecter. Merci, Ndolé Miondo. Déjà, vous, les adultes, laisse-moi un peu parler, Waris, s'il te plaît. Waris, tu es que nous, les adultes, on ne se respecte pas. Ces enfants ne vont jamais nous respecter. Quel que soit l'âge de l'enfant, on doit donner l'exemple aux enfants. Quand tu accouches ton enfant, c'est toi qui élèves ton enfant. C'est pas ton enfant qui t'élève. Donc, il faut savoir que quand on se mélange avec les enfants, on va jouer au jeu de papa et maman. Donc, si on veut être grande, il faut montrer, laisser la place des enfants. Vous voyez même ici en France où on vit, Waris, quand tu arrives au McDo, il y a la place pour les enfants et la place pour les adultes. C'est vrai. Donc, chaque fois que vous vous mélangez avec ces enfants, il y a toujours les bêtises comme ça qui sont. Waris, Tobi, c'est ton petit frère, de très loin. Quand tu parles avec lui, tu ne peux pas parler avec lui comme si tu parlais à ton ami. Voilà. Et puis, tu te retrouves à parler avec Tobi comme ton ami. Ne t'attends pas que Tobi va te prendre comme ton père, ton frère. Il va te prendre comme ton ami. Donc, le conseil que tu donnes à Tobi, il faut aussi donner la même chose, il faut se les retenir et donner la même chose à ta compagne. Ton nom ne doit plus sortir dans l'histoire à deux balles comme ça. Elle doit dépasser tout ça. Et même t'appeler, te dire que Tobi a dit ci de toi. Vraiment. Tobi te fait écouter les voix. C'est bas. C'est de la manipulation. C'est là que tu dis la vérité. C'est de la manipulation. Je vais te le dire à mon de et il est là que bien devant toi, je ne me cache pas. Par là, c'est le balaton. Moi, Tobi, on n'a pas cette régulation pour faire le chat inutile des réseaux sociaux. Quand je parle avec une chérie, tu sais comment tu as mangé quoi? J'ai lu toi certaines conversations avec lui. Il est devant toi ici. Tu comprends de l'aimant. Oui. Je te limite beaucoup. Je ne parle pas avec tes derrière. Tobi est devant toi ici. J'ai un système, quand je parle avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, il y a des choses. Arrêtez de parler comme Bopi. Arrêtez un peu. À un moment donné, il faut arrêter. Elle est libre de commenter aussi partout. C'est comment, non? Vous ne connaissez pas arrêter les programmes avec les gens. Quand même. Arrêtons un peu. Oh, la gauche bouge de Bopi. C'est comment?
Laissez-la tranquille, un moment donné, il faut passer. C'est vous qui donnez même la stamania. Laissez-la tranquille, collez-lui la paix. Dès qu'elle commente pas, vous venez, laissez-la tranquille. C'est une bonne chose. Mais tu ne peux pas t'asseoir aussi et parler avec ton enfant. Excusez-moi, la vérité est bonne. Moi, je ne parle pas. Toby va parler, c'est un enfant. Il ne va pas se retenir. C'est nous, les adultes, qui se retenir. Voilà. Ça, c'est bon. Tu veux qu'il parle de tout. Ça veut dire qu'il ne peut rien parler, c'est bon. Et là, ce qu'il veut dire, le faut dire, écoute-moi. Tu es là, tu m'as fait, je te connais. Il y a un truc que je veux te dire. Moi, je viens devant nous, c'est à mon vision. Il y a des choses que je ne parlais pas de Toby. Il y a des choses que je suis limité parce que Toby n'a même pas mon âge. Combien font vos âges? Tu ne peux pas dire que Toby, c'est la vérité que ça te dit là. Je lui ai dit de garder le propriété compresseur. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle peut pas pour le compresseur? Je fais exprès. Je mens à Toby qu'il y a un garçon. Elle est grande, elle fait ce qu'elle veut. Écoute, un de l'aide, tu comprends? Ah, Waris, tu m'as dit que tu le jour où tu critiques un peu Lolo, les mêmes qui t'ont embrassé hier vont venir t'insulter. Et c'est comme ça. Attendez, je tourne la caméra sur moi. Voilà. Les ténébreux, on va chercher les ténébreux. On cherche toujours. Hein. Il y a l'autre. Oh, Waris. Mais ce qui énerve, c'est que Waris, quand il est en direct, c'est bien de l'écouter, mais il va faire les tours à la cuisine, il va partir, il va remonter. Non. Fatigant ça, à la limite. Je cherche le terrain du jour où les Balata. Je cherche direct Balata. Balata. Direct Balata. Je cherche là où Waris avait. Petit l'avait parlé. Bon, je vous laisse. Je vais aller faire les courses. On se dit rendez-vous demain. Je voulais juste vous montrer que voilà comment les ténébreux. Comment ça chauffe. Poisson frit, bon, moi, il m'a fait un compliment, je fais le compliment. Ça commence. Les audios de que j'avais envoyé, que ma femme m'a fait, moi, d'avoir envoyé à Toby. Vous allez voir que je n'étais pas d'accord avec Toby et je ne voulais pas, et je lui ai mis ma côte dit là-bas. Donc voilà. Les ténébreux. Loulou, venez parler. Ouais, Loulou, arrête le Congo, ça avec tout le monde, maman. C'est ta petite soeur. Tu veux faire le Congo, ça peut être ta petite soeur vous parler, c'est ta soeur, elle ne peut pas te trahir. Hein. Même si on dit quoi. Rendez-vous demain pour les ténébreux. Le versement des ténébreux, c'est là, le Hoa, même heure. Tu veux te confier, confie-toi à ta soeur. Tu as la chance d'avoir une petite soeur en Beng. Tu n'es pas comme nous qu'on est là. Hein? Ouais, c'était le voile des ténébreux, maman. Les gens qui restent toujours dans le noir. On a fait mes courses, c'est samedi. Donc, on a fait les courses. Donc, dites à Lolo, n'importe quand qu'elle veut les clashs, je suis prête. Qu'elle arrête de manipuler les enfants pour venir me parler, pour venir parler de moi, raconter des conneries. Moi, même le direct là. Oh, je tente de chercher un direct là. Je cherchais le direct où Toby avait parlé chez Waris là. Maman, quelqu'un passe à la télé, c'est son gars qui parlait. Mais ils veulent tourner ça comme si c'est moi qui étais là. Oh, comme c'est maman. Que demain je prends le bâton. Même si je n'aime pas l'hypocrisie. Elle, ouais, elle veut bien me dire, mais. Voilà ça. Écoutez le Congo, ça. Je ne vais pas rester longtemps parce que demain je prends le manteau. Maman, à 10h, ça va? Maman, ça va, maman? Où est-ce qu'on commence? Nous sommes maman. Ah, je suis bien sur nous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai dormi, vous savez, c'est quand vous faites la formation. La fatigue. Bien comme tu bois bien le maman. Maman, excusez-moi, je n'étais pas venu. Quand vous commencez. Bon, attendez, connectez-vous. Je vais vous parler. Il faut qu'on essaie de trouver l'entente dans ça parce que j'ai essayé de parler aussi à Toby. J'espère que Toby va comprendre. Toby, tu me dis, ça va vous parler. Avant que tu interviennes. Je vais parler. Je vais que ta soeur va le respect. Arrêtez-vous. Ça, maman, bois doucement. Tu es sur l'eau là.
Non, madame, là. Là, maman, tu veux des ténèbres, là. Ah, c'est ma. Non, Munda, tu sais que c'est pas l'eau. Bonsoir. C'est l'eau normale. C'est qui ça encore? Mais Arnoux TV, coucou. Qu'est-ce que tu vas même manger? Il est quelle heure? Non, c'est pas l'eau. Raphaël, on dit pas la table. Oh, l'élève. Bon, vous savez, moi, je ne veux pas qu'il y ait les histoires à la con et à dormir debout. Il y a un petit truc qui tout. C'est qui? Bon, rappelle-moi ça, bon. Écoutez. Je suis en direct. Je suis en direct là-bas, la table. Tu te rappelles? Qui m'appelle? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça veut dire que moi j'ai appelé mais ça ne passe pas. Et j'ai réussi à voir. Bonsoir, Mel. Maman, tu bois l'eau, tu laves les mains, maman. Tu me laves tes mains. C'est que tu as me gâté mon direct. Ok, maman. Attendez, j'appelle Raphaël pour dire Raphaël que je suis en direct. Connectez-vous. Donc, on a vu sur Facebook, je vois sur Facebook depuis. Il appelle, je peux t'appeler dans 30 minutes. Ah, tout à l'heure, t'appelles dans 30 minutes, pardon. Donc, je vois sur Facebook, Lolo, pas Lolo, parce que Lolo n'a pas encore répondu. Et je vois qu'il a... Ouais, la tigre, il fallait laisser quand il parlait, là, il fallait pas... Parce qu'on allait en religion, mais... Toby... T'avais le menton. Et je crois que c'est les Russes, le mania. Bon, je n'ai pas trop compris, hein, parce que... Quand je l'ai même eu au téléphone aujourd'hui, après le direct de Priscali, parce que moi, qu'est-ce que c'est que mes cartes? Non, je t'ai fait mon entretien. Je rentre ici, je vais trouver. Qu'est-ce qu'elle a même préparé aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce qu'elle a préparé? Vous me conseillez de préparer quoi? Mental. Elle fait le mouton, non? Le mouton braisé, le choukouya. Ouais, toi aussi, Waris. Est-ce que cette histoire-là est vraie? Parce qu'elle me dit que, ah, comme tu vois la Waris, je ne connais pas trop les trucs de la Russie. Non, ça me fait rire, par contre, on va me faire ici. De ma partie que je connais. C'est comme ça, donc, que tu peux être sur le premier passage. Elle me dit que, en fait, c'est elle qui a fait un jour en direct où elle avait dit que, Toby, il y a ton nom là-bas dans le groupe, où on dit que, dans parlant de leur groupe, où on dit que, tu es mendiant. Comme ça que l'autre a fait. Tu sais, parce qu'elle dit que, mais est-ce qu'il fallait qu'on aille loin? C'est peut-être le mot mendiant là qui l'énerve. Parce que si tu dis que tu allais faire un choix en direct, ça fait un petit moment. Oh, les ténèbres, une ténèbre, là, c'est ça. Le mendiant, je ne connais pas de quel groupe on parle. Je ne suis pas le mania, je suis moi balatois. Tous ceux qui commandent là, tous ceux qui sont les timbres, chez moi, sont les balatois. C'est comme ça, la balata. Donc, attendez, quoi, tout le monde. Tu veux préparer quoi? Qu'est-ce que tu veux cuisiner? Oui, ça circule. Donc, c'est comme ça, donc. J'ai dit à Toby que je dis que ben, il faut aussi comprendre un Toby d'abord. Je ne prends pas la défense de Toby parce que je veux aussi parler de ça à Toby, mais c'est le cadeau sur Toby. Je dis il faut aussi comprendre que c'est un enfant. C'est vrai qu'un enfant ne fait pas n'importe quoi, c'est vrai. C'est vrai qu'un enfant ne manque pas le respect, mais moi il m'a jamais manqué le respect. Et Dieu merci jusqu'à maintenant. Non, je dis que moi depuis un petit moment, c'est vrai que je ne prête pas trop attention aux problèmes de Toby parce que pour moi c'est les petits problèmes de on a dit mendiant, donc c'est les petits trucs. Coucou. Et c'est comme ça donc que Zara coucou. Donc c'est comme ça donc que je vois. Je dis à Priscaline que comme tu vois là, ça ne peut que. Voilà ce qui énerve. Voilà Toby lui-même qui va il appeler là. Comme c'est, je parle de lui. De lui qui va vouloir appeler. Je vais seulement accepter, mais pas de cri, mais de respect avec tout le monde. Parce que moi aussi, fait ce soir chez moi ici. Mes voisins. Donc. Vous m'écoutez?
Franchement, on n'est pas bon. Moi, je passe pas bon. Mais ok. Oui, parle. Écoutez, Waris. Vous voulez un peu le sens. C'est pas juste que tu as beaucoup de. Oui, déjà, je vais te demander pardon parce que tu m'avais parlé, je t'avais pas écouté. J'ai voulu faire les choses, je me disais que faisais les choses bien. Mais je me suis rendu compte que, au contraire, on dit que le son n'est pas bon. Mais quoi que tu as un truc d'accord, il pleut. Écoutez. Écoutez comme ça. Vous n'entendez pas? Moi, j'entends pas. On entend. Vraiment, il me disait que je faisais les choses bien sans savoir que c'était vraiment de la racaille. Mm-hmm. Parce que je me suis donné corps et âme pour défendre les gens qui passaient leur temps à se moquer de moi. À me saboter, à me réduire, à me traiter de tout genre de nom, au point où de raconter même des choses qui ne sont même pas vraies sur moi. Je suis venu dans Facebook pour défendre Lolo. Je sais pas que derrière Lolo, il y avait deux teams, Lolo Mania et Russie. Je ne connaissais pas cela. C'est quand Lolo me nomme, c'est quand j'étais tellement. Donc je ramponnais déjà tellement fort que. Elle m'a donné le nom de général russe. Donc, elle a déclassé certaines personnes pour me hisser au nom de général russe. Mais, je ne savais pas que le général russe qu'elle avait donné là, c'était pour finir par me traiter général des mendiants, général des pauvres. Donc, comme je suis au Cameroun, je suis pauvre. Elle ne me présente pas ses relations parce que c'est une depso. Donc, elle a peur que, comme je suis une depso là, il est parti draguer toutes ses relations. Et elle était massa. Elle a dit ça. Général Lomania a fait le direct parce que Priscaline d'abord, c'est Priscaline de l'Allemagne, la petite villageoise là. Excusez-moi, elle est terminée. Elle a dit parce que parle, mon fils. Je ne crie pas, laisse Waris. Oh, laisse-moi parler. Waris, laisse-le. Waris, laisse-moi. Tu ne veux pas que me laisses parler, tu me dis, vais partir. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu m'as dit. Le direct me concerne, donc tu vas me laisser m'exprimer. Oui. Tu vas me laisser m'exprimer. Parce que je ne peux pas appeler Priscaline, je ne peux pas traiter Priscaline de bon nom, quoi que ce soit. C'est cette petite villageoise de Bafoula qui a commencé à venir me dire que on me traite de mendiant et pauvre, machin, truc dans la Russie. J'ai demandé à Priscaline que Priscaline, est-ce que tu peux me envoyer les voices de la personne ou le nom de la personne, les noms des gens qui ont dit cela? Elle m'a dit que c'est dans la Russie et le Lomagnan. Apparemment, ils ont un groupe messenger. Moi, j'avais entendu comme ça, mais je sais pas que ça existait. Elle m'a dit que oui, ça existe. Ils causent là-bas. Elle est là-bas dedans avec eux. Et quoi, elle dit que, ah, ok, mais donne-moi le nom alors de la personne, le nom des gens qui ont parlé, qui ont dit ça dans la Russie. Elle veut même me fier d'eux. Elle me dit que t'as le loi dit qu'elle ne peut pas donner les noms. Que si elle me donne les noms, il veut les ramasser, il veut les clasher. Elle dit que ok. Donc, comme c'est moi, qui fait le Congo, ça, de ces. Je ne peux pas parler d'une autre abeille avec d'autres abeilles. L'hypocrisie. On arrête un peu. Ya Lolo. Comment tu peux parler avec tes Lolo Magnon? Et tu parles, dis maintenant à ton ex-général de Lolo Magnoc ce que les autres Lolo Patate ont dit. Tu cognes la tête de tes fans. Tu penses qu'une abeille peut me parler de tel et puis je ne peux pas parler encore. Non. Arrête ça. Une star ne fait pas comme ça. Ya. Yeah. Je n'aime pas l'hypocrisie. Elle veut bien me dire, mais. Va la repousser, elle va lui senta. Ok, je suis resté tranquille. Le même soir, elle a refait le direct, elle avait Black Beauty. Elle était en train de parler de ça là-bas. Et elle dit, mais Karine, c'est quelle manière de parler de moi décemment, vous me descendez avec des propos vraiment. Elle dit, mais au général, c'est ce qu'on a dit, c'est nous qui avons dit. Et, machin, 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 machin. Mais on a dit. J'appelle Lolo.
Tu vois un peu, j'appelle Lolo, j'étale le problème à Lolo. Lolo contourne, elle me fait les embrouilles. Vous savez, après ici, là, il disait la vérité. Pas plus qu'une fois, pas plus que deux fois, pas plus que trois fois. Merci pour les étoiles. Cinq fois, on a parlé à ce sujet. Quand elle dit à Lolo que Lolo, que j'ajoute Priscaline, elle va parler elle-même. Elle dit non, là, je vais l'appeler, je vais causer avec elle, machin, gnon, gnon, gnon. Il a fait comment pour avoir le contact de Lolo? Il va nous expliquer demain. J'ai causé avec ce sujet avec Lolo au moins 5 fois, comme tu entends là. Ce n'est pas le raconter derrière. J'ai parlé avec Lolo 5 fois. J'ai dit à Lolo, laisse y aller Priscaline, pour qu'elle soit là. Lolo dit que non, mais que Priscaline avait menti. Moi, je suis même pas avec elle, parce qu'elle avait caché avant. Donc, je suis avec elle comme ça. Elle dit, mais non. Peu importe que vous avez eu avant, moi, je ne le connaissais pas, je n'étais pas là. Moi, je veux juste savoir la vérité. Si vraiment vous avez dit cela, moi, je vais m'écarter, je vais vous laisser dans votre team là, parce que je n'aime pas le manque de respect. Même quand je cause avec moi, je ne parle pas des gens. Des gens de la Russie ou de l'Allemagne. Tu comprends un peu? Maman, comment? Il reste donc tranquille. Maman, je viens zombie. Et bah, les Russie, et bah, les Allemagne, tous les témoins. J'ai expliqué le problème. Ouais. Elle me dit, Toby, calme-toi. Je sais que tu étais en convalescence le moment. Tu étais à l'hôpital, j'étais à l'hôpital au moment là. La dernière fois qu'on a. Alors, après, c'est là qu'on a gâté. C'est là qu'elle a dit, oh, tu étais au marché. Tu vois, quand j'avais la pépisée en main, non? Il a fallu que le marché, ils m'ont appelé là-bas, on a parlé, j'ai expliqué mon problème. J'ai dit, moi je veux qu'on appelle Priscaline, on lui met en appel. Vous racontez toutes ces choses, parce que moi je ne veux pas jouer. Je suis à pratiquer, à entendre les mains, on a dit machin. Waris, comme tu comprends là, hein? Waris, comme tu comprends, je suis resté tranquille. J'ai pas trop parlé. C'est une autre fille avec qui, donc apparemment elle est dans la Russie là-bas, avec eux là. Moi je les connais même pas tous. Avec les Lomagnas, je les connais même pas tous. Fait que fais très attention. Parce que même le loup que tu vois là, elle se moque de toi. Machin, et consort. Ils sont restés tranquilles. Et puis apparemment, ils ont même dit qu'elle ne partage même pas direct. Elle ne veut même plus rien avoir avec toi. Ils ont d'abord fabriqué qui on a vu. Tu as vu qui? Me rappelle le matin, me dit, Toby, tu sais, moi j'ai repêché. Je veux dire que tu me défendes. Fais ton blog à part. Vraiment, merci pour tout. Machin. Elle dit, mais Lolo, est-ce que je t'ai dit Ouais, tais-toi, non. Ouais, le gars, s'il ne veut pas. Laisse-moi m'exprimer, c'est comment? Ah, Waris. C'est quoi? Non, je ne sais pas comment on me fuse. Tu me fuses, je me dis, je vais quitter. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, donc, Lolo me rappelle. C'est quand Lolo me rappelle pour me parler comme ça que je dis que, c'est là que je dis que je suis plus général, je suis Toby ou Franck, comme vous voyez. Je dis que ok, avec l'affaire si est vrai, j'ai fait mon statut, j'ai dit que les gens avec qui tu ris, qui passent le temps à te poignarder par le dos, franchement, moi on ne me poignarde pas par le dos, c'est moi je sais me défendre, et vraiment, que ces choses s'arrêtent, que ces sabotages s'arrêtent, j'ai fait le statut comme ça, où c'est Lolo qui a porté. Où c'est Lolo qui a porté pour aller dire à Général, parce que c'est elle qui a porté, Lolo qui a porté pour aller dire à Général, parce que Lolo et Lolo sont les potes. Lolo fait bien faire le direct. Avant ça, mais d'abord, elle a fait un post avec Priscaline pour me descendre, pour m'insulter. Je suis parti à l'église de la reine Medio. J'ai parlé chez la reine Medio. J'ai parlé à haute voix. J'ai fini de parler, je suis quitté chez la reine Medio. J'ai dit, c'est Priscaline qui a commencé avec le débat là. Priscaline a commencé à vouloir tenir la bouche et puis conseil que moi je suis peut-être le plus jeune, c'est vrai, mais je ne suis pas un menteur. Je suis tout sauf l'autre là.
en termes de problème, je ne blague pas. Arrêtez de salir mon nom et laissez-moi tranquille. J'ai dit, je ne veux plus être de la Russie. Ce n'est pas la guerre. Laissez-moi tranquille, je ne veux plus. Épargner ma vie. Wow. Ils ont continué. Ils ont continué à me saboter, à me déchirer, à me dénigrer. Je suis resté tranquille. Waris, je me suis assis. J'ai voulu couler la vie, je ne coule pas les lames parce que les gens comme les Lolo Pipi, là, elles n'en vaut pas la peine. Elles n'en vaut pas la peine. Ouais, tu appelles ton ancien patron Lolo Pipi. Alors comment quand tu te mélanges avec les enfants, Chuka? Tu m'as dit, voilà. Voilà. Wow, c'est chaud, hein? Maintenant donc, le gars, les secrets des gens là-bas, que bonne barre. Elle fait le direct. Chuka. Elle m'insulte. Elle vomit. Elle fait le pause. Vous prenez son pause. Elle est partie faire le direct. Elle est partie faire le direct. M'insulter, raconter comment jusqu'à mettre où. Elle parlait avec Lolo. Elle même dit, mélange Dieu, les choses de Dieu. Elle fait le direct. Je ne sais pas si elle a passé le direct là. Elle veut le direct. Elle a fait le direct, commencé à parler, verser tout. Et là, elle me rend compte que, donc, ça veut dire que la Lolomania et Russe, là, on dit, c'est vrai. Il faut dire, il faut dire, j'ai commencé à laver Général Lolomania, je l'ai lavé. Quand je lave Général Lolomania, c'est comme ça que Pouscaïne achète les problèmes. Tu comprends un peu? Elle achète les problèmes, elle entre. Je prends aussi Pouscaïne, je rince. C'est là qu'elle dit que. Donc, ça veut dire que, donc, Lolo est comme ça, là. On fait le Congo ça ensemble, on cause ensemble. On se raconte tout ensemble, pas derrière, c'est moi qui n'ai pas sali. Est-ce que je me suis placé un jour, il m'avait pouscaline avec qui j'ai ri là, raconter du Congo, ça que j'ai Lolo a eu à parler des murets blanches, des Nani Basson, des Baflore de Lille, des Baconso. Si je me suis placé, je vous dis cela, que non, elle m'a raconté des choses comme ça, jamais. Elle m'a toi, Waris, que mon ami, j'ai jamais dit cela. Si tu es honnête, tu vas dire que oui, jamais, tu n'as jamais dit cela. Jamais au grand jamais. Elle pense qu'elle fait le Congo ça sur toi, sur les stars là qu'elle te connaît. Je n'avais parlé. Lolo m'avait dit comme ça. Quelle pitié. Mais pas derrière, elle se permet de me saboter, me dénigrer, me chiffonner, jusqu'à eux disent qu'ils ne m'envoient plus l'argent. Ils m'ont défabriqué 5 jours. Ils ont dit à l'Allemagne qu'ils ne m'envoient plus l'argent. Et la femme, comment on appelle là? La femme des États-Unis qui m'a appelé pour me dire qu'elle avait m'envoyé l'argent. Après, pas derrière. La femme là, subitement. Moi, on a pu causer. C'est là que l'Allemagne avait me dit que Toby, tu sais quoi, elles t'ont saboté là-bas. Et là, Lolo a dit qu'elle ne veut pas compter parce que tu es Ikan. Elle est comme elle est Bambi, soit Bambiéké, elle est Ikan. Qu'elle ne veut pas cela. Bami Power entre en jeu. Tu vois un peu. Elle dit que, ah, ok. Bami Power. Pas de problème. Comme je suis Ikan, Lolo est Bambiéké. Créatrice et Bami Power. Il y a un cas dit qu'elle est Nathalie, qu'elle est aussi, elle a un côté Ikan. Mais ça me tonne que, pas derrière. Quand c'est pour insulter Claude, tu n'es pas Ikan. Et maintenant, c'est là que je comprends. On veut me raconter. Bami Power, vous avez vu la sagesse de Bami Power. La manipulation de Bami Power. Pour insulter sa soeur. Parce que quand Lolo voulait m'envoyer, quand Lolo m'a envoyé l'argent, quand Lolo m'envoie l'argent d'abord la première fois, à son compte à elle, elle me dit d'abord que Tony veut t'envoyer 100 000. C'est pour t'encourager, te motiver, que tu mets ta connexion. J'ai dit, ouais, maman. Merci, mais je ne suis pas venu derrière toi pour te demander l'argent ou quoi que ce soit. Je suis venu te défendre avec le bon cœur, comme toute team, comme don. J'ai choisi la team. Tu veux dire avec le bon cœur pour te défendre. Je lui ai dit ça. Elle-même connaît très bien. Et je ne suis pas venu ton argent. Mais j'ai quand même pris, il n'a pas quand même refusé. Hein? Je suis au Cameroun, mon frère. Je n'ai rien à donner. J'ai pris l'argent. Moi, on me donne. Elle a dit qu'elle m'a rappelé, mais comme tu vois là. Mes avocats m'ont pris beaucoup d'argent, mais prends d'abord 50 000, et puis prochainement on va gérer, on va arrondir son à dernier montant de la pièce, 50 000, son joker d'argent, c'est 50 colos. La maman là, ce que tu peux te représenter là, m'envoie l'argent, elle me dit comme ça. 50 colos, son joker. Parce que Lolo avait peur qu'il ne voit pas son nom, qu'elle est bambléquée. J'ai dit que, ah. J'étais au courant de tout ça. J'étais au courant de toutes ces choses là. Elle rêve d'être Ikan. Beaucoup de choses. Elle est Bams.
Propre. Si je veux vraiment parler, parce qu'il y a fait le direct, quand tu es venu à mon direct, il y a fait le direct pour dire qu'est-ce qu'il a, c'est un de trop. Pas ça parle comme ça parle. Lolo, viens ici. J'ai fait le direct sur Lolo. C'est le pasteur supérieur, Nadège Mbapa, avec certains fans même, qui sont venus me dire que Toby, sous, laisse comme ça, Toby, pardon, efface ton direct, supprime le direct. Supprime. Le direct est où? Supprime ton direct. Supprime. Parce que j'avais à tout verser là-bas. Le direct même est où? Le nom des bas compresseurs, tout ça. J'avais à commencer à sortir les secrets là-bas. Mais les stars du Cameroun, j'avais à commencer à sortir ça là-bas. Elles sont venues en force, me supplier. Nadège ne m'a pas dit que si tu sais que tu es ma, tu sais que tu es ta mère, supprime-moi ce direct. Mon fils parle, ne fais pas ça. Comme ça, parce que tu es venu, Toby, comme ça. Elle dit que non, si deux personnes viennent déjà comme ça, là, je vais laisser. Maman, pendant que je laisse encore, par derrière, il continue. Il continue avec l'affaire que, oh, je suis mendiant, oh, on ne m'envoie plus rien. Oh, ton ami Wari, c'est pauvre. Il va te donner quoi? Wari, ça quoi? Il a dit que, le nom de Wari cherche quoi dans vos bouches? Laissez Wari tranquille. Parce que Wari, c'est même, tu es même venu faire un commentaire en bas que, finalement, le Maya laisse mon nom tranquille. Jusqu'à, en quoi elle fait le direct, dit que Wari, ton ami Wari n'a rien. Wari, ça a été fabriqué devant nous. C'est nous qui avons fabriqué. Wari, pas le temps à déménager. Et il change les maisons partout. Il parle de temps, laissez-moi, j'ai déménagé un jour. Elle dit, mais, laissez Waris tranquille. Qu'est-ce qu'il voit? Toby Chou ne manque dans rien. Si vous voulez, prenez la lionne. Prenez-la. C'était pas d'abord ma fille, c'était ma petite soeur. Parce que vous priez la foi, dites, on ne sait jamais confier quoi que ce soit. Je parle aux enfants. Je me confie aux enfants. Même dans le temps, il parle de tes problèmes. J'ai eu de la fille de Trouy. C'est là que Lolo dit que elle n'est pas jalouse, machin, et puis qu'on sort. Elle demande, elle a dit qu'on me retire du live. Je suis quitté moi-même sous une fois. Quand je reviens sur le Facebook, je trouve que le il y a encore un autre direct. Masta. Elle dit que je ne laisse plus. Mail ORG. Quand Pouskarine a fait le direct aujourd'hui, je n'ai pas eu de dire là-bas qu'elle laisse non. Elle a été, ils m'ont saboté, ils m'ont déchiré. Mais si tu me regardais le mendiant, tu n'as pas eu de dire là-bas que arrête. Donc pardon, laisse-moi tranquille, pardon. Il n'y a que Véronique, ma seule, qui m'a envoyé qui m'a appelé, qui m'a contacté avec pour me calmer et me consoler, me dire que vraiment, elle voit, elle a essayé de parler. On même la marque de refaire le live. C'est la seule personne qui est venue avec Canada Love qui me soutient, avec certaines autres personnes là que je ne connais même pas. Qui m'écrit, qui me dit que non, mon fils, tombe avec toi comme ça. Waris, il a dit que dans ma page, je vais tout verser. Je vais acheter la corde. Il a seulement dit que quand ils font, qu'ils laissent ton nom tranquille. Je dis encore, je répète ici, laissez Waris tranquille. Même la fille qu'on appelle Nico Ketchala, Nico Ketchala, je ne sais pas si elle est là, pardon, si elle est là qu'elle appelle. Nico Ketchala appelle, il y a beaucoup de Congolais. Non, tu es témoin que c'est moi qui l'avais contacté. Voilà. Non, c'est dit que Nico Ketcha, elle peut venir parler ici. C'est moi. Quand je prends le tribunal, le Lomania, tu dis le Lomania et toi, les messieurs, ceux qui ne sont pas vous, non, parce que pour Nico Ketcha, non. Elle est mon cause. Elle a mon numéro. C'est pourquoi je dis ça. C'est une fille que j'ai vu que ce sont des gens bien. J'ai demandé pardon à tous ces gens-là. Même à Fleur de Lille, qui composait et consort. J'ai demandé pardon à tous ces dames. Même dans mon direct encore aujourd'hui, j'ai demandé pardon à ces femmes. Fleur m'a débloqué. Je suis parti. Je commente c'est direct. Je parle, je like, je partage. Parce que j'ai dit que je ne veux plus la paix, la guerre. J'ai seulement dit à Lolo, comme tu vois, je veux pour moi la guerre dans Facebook. Vous voyez un peu, non? Moi, je veux faire la paix avec tout le monde. Je demande pardon au Flo. Elle m'a appelé. Oh, Toby, si tu viens faire ça, tu vas sortir de la team. On ne te veut plus. Oh, ma Toby, machin. Oh, Toby, ça veut dire quoi? Quand Flo envoie la lionne m'insulter, tu ne vois pas. Oh, machin. Oh, Toby, ça c'est Waris qui te conseille, non? Il t'envoie chez les abeilles, n'est-ce pas? Oh, Toby, machin. Oh, oh. J'ai dit que, Je vais ressortir. Je demande pardon. Je demande pardon de mon plein gré. De mon plein gré.
C'est pas Waris qui m'a même dit, mais pardon. Et avant ça, Waris m'avait même dit d'abord que le petit mec ne veut pas qu'il rentre dedans. Parce qu'on a commencé à manquer de respect à Waris au niveau des trucs de fabrication et de vieux consorts. Voilà une personne qui veut faire la télé. C'est Waris qui m'a fait sa page quand Nilakine est lui en 2022, quand c'était chaud chaud ici. C'est là qu'il me fait remarquer chez Waris. Et puis là, maintenant, tu as compris, quand on a commencé maintenant les clés avec les autres, ça a commencé à se faire. J'ai fait mon direct, j'ai dit, pardon, Aïcha Sol m'a débloqué, je commence chez Aïcha Sol, Ahmed Kamé aussi, pareil, j'ai demandé pardon à Ahmed Kamé, Aïcha Sol, les co-consorts. Même à Outa, même que j'ai ramassé, j'ai demandé pardon à Dikamé aujourd'hui encore, j'ai demandé pardon à Dikamé. C'est bien que ça m'a dit. J'ai dit à Dikamé que je n'étais jamais saboté chez les Russes. On a mis des framponnements, là-bas, c'est les teams, c'est le game. C'est le game. J'ai dit ça. J'ai dit, je veux recommencer ma vie. Les choses de clash, là, laissez-moi à côté. Sors la corde de moi. Je veux clasher, je clash à mon nom. Les teams, là, je ne veux plus. Dis que, oh, n'est pas tu as 5000 abonnés. Oh, machin, oh, tu vas chuter. J'ai dit que, ok, les Romaniens et les Russes, désabonnez-vous de ma page. Ils sont désabonnés. Maman Pépé dit que tu as fait le bon choix, mon fils. Ici, nous, on ne trahit pas. 4000 quelque chose. 4000 800. Sont désabonnés tous sur ma page. D'autres sont revenus, c'est remonté à 5300 et poussières. Tu comprends pas, non, Waris? J'ai dit, oh, avec désabonnez-vous sur ma page. Mais j'ai seulement dit que je répète encore ici, la guerre qu'on fait là, laissez Waris tranquille. Waris ne me donne, on me des conseils que Waris, comme j'ai grand frère, petit frère. Un peu comme mon père. Balata, meuf, Balata. Laissez Waris tranquille. Waris ne vous doit ça pas. Ça a choisi la lumière. Lolo, tu as fait le commérage avec moi beaucoup de fois. Tu as beaucoup parlé déjà avec moi. Tu m'as raconté beaucoup de choses que je ne connaissais même pas. De la diaspora et consort. Je ne suis pas encore en Europe, mais je connais beaucoup de choses là-bas. Je ne me suis jamais placé ici, ou même avec des gens là, même quand on parlait quoi que ce soit. Pour venir dire que ce soit que non. Lolo a dit comme ça. Voilà Waris même là qui est là. Si je voulais parler, c'est ce que j'ai dit à Waris depuis, mais je n'ai pas dit à Waris. Waris, c'est ma personne. Mais je n'ai pas dit, j'étais fidèle à Lolo, j'étais sincère à Lolo. Mais pas derrière, pas elle me sabote, elle me raconte du n'importe, elle raconte du n'importe quoi. Parce qu'elle est tellement riche. Quand elle me dit qu'un Toby, il y a une fan du Mali, c'est qui dans du Mali qui m'a envoyé 6 millions. Je suis une vraie star. Tu comprends? Le reste là, c'est les bruits. Mais j'ai dit, mais ma soeur, on t'a envoyé 6 millions, tu veux qu'elle danse alors? Ou bien alors tu veux. Bon. Là, les 6 millions, tu m'as donné combien? Comme tu dis que, à propos de que je suis mangiant, tu m'as donné combien? Que 6 millions à quelques 6 millions. J'ai dit, pardon, je ne veux pas. Lolo a dit qu'ils vont faire le litige pour dire à ses followers qu'ils cotisent pour qu'ils me font la position, pour qu'ils puissent à faire mes web séries. Pour être propriétaire, non, mes web séries. Maman, derrière ça, Oh, les promesses des ténébreux. Les ténébreux conçus les étages avec la bouche. Oh, le mangan là pense que c'est moi qui va, il va s'y voler. Oh. Waris d'abord pauvre. Ses abonnés sont d'abord pauvres. Ils vont te donner quoi? Ils ne vont rien te donner. Ils ne vont rien t'apporter. J'ai dit ici là que eux-mêmes qui sabotent les gens là. Et même on les a envoyés plus de 100 000 un jour. À chaque fois qu'ils m'envoient quelque chose, je chantais leur nom. Je criais, sautais, maman. Je dansais, je disais, oh, mais ouais, ma team. Je vantais ma team. Je valorisais ma team. Et pas derrière. J'étais devenu le tapis rouge. J'étais le tapis rouge, Waris. J'ai dit, je te jure sur ma vie. Je jure ma mère. Je ne vais pas laisser Lolo, je veux la terrasser, je veux la nuire. La même chose qu'elle a fait, que non, quand elle clashait de l'autre, elle était fière. Elle a encouragé, elle partageait, elle likait. C'est le même scénario qui va retourner sur elle. Elle va confirmer. Il y a l'autre gars qui va me porter plainte. Je m'en fous. Qu'elle porte plainte, elle va venir répondre. En portant plainte, qu'elle sache qu'elle met les blogueuses, ok? Je dis à quoi je répète ici. Lolo, tu vas me sentir, tu vas me porter sur ton dos. Je vais te nuire. Et je vais dormir sur ta chatte. Deux semaines. Mon fils, déjà écarté comme ça, tu vas encore, tu peux entrer. C'est ta tête et tout ton corps qui va entrer, c'est l'autoroute.
Maman est 14 de ça. Elle a dit que Waris, Waris, Waris. 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 Et lui que, nous donc les tchanons, la piste là non, c'est une bonne fille Waris, je te jure. C'est une bonne fille. Le gens qu'on va parler de la piste là, elle pense qu'elle est même là. On m'a parlé de Nico Ketcha. Il se m'a dit que, ah, et moi aussi, la clasheuse et la framponnais. Mais c'est après un jour, je prends mon courage, j'écris à Nico que c'est un faux confine. Non, c'est un faux, non. Il est passé pour un autre. Je cause avec elle. Comme toute personne, elle se fâche d'abord et puis elle cause, elle cause. C'est après maintenant, que Nico maintenant, qui voit que non, c'est une fille qui est cool. Elle a dit que c'était moi. Demain, elle m'a démasqué, c'était moi. C'est après qu'elle voit que non, Nico, c'est une bonne fille, vraiment. C'est une fille qui n'a pas, elle n'est pas haineuse, elle n'est pas machin, mais si elle est haineuse, elle va peut-être bloquer ou quoi que ce soit. On a causé, et puis elle m'a envoyé, c'était vocaux. Parce que moi, je croyais que c'était le menteur, ce qu'on causait, que non, tu m'as, le papa, ça m'a envoyé les vocaux. J'ai compris que, hey, la piste ne ment pas, elle est sérieuse. C'est là qu'elle me renvoie, je lui renvoie maintenant donc ma barre. C'est là qu'il renvoie, maintenant donc pour Loulou, maintenant pour dire à Loulou que, ouais, pardon, maman, laisse Nicole. Comme ça, pardon. Laisse Soussou, pardon. Laisse cette fille-là comme ça. C'est là que Nicole m'a relaté tout. Elle m'a relaté tout. Merde. Je suis resté que non, ici là, elle a raison de tout fâcher. Tu comprends, non, Waris? Elle dit qu'elle a raison. J'ai le numéro de Nicole. J'ai écrit à Nicole. Elle n'était pas assez. Elle m'a répondu un peu brusquement, mais ça m'a pas. Le bim. Quand j'ai appelé Nicole sur ma page. Ils sont fâchés. Compression m'a toujours dit que Nicole a les ondes parce que c'est une bonne fille. Même à Nicole, j'ai demandé pardon à mon Dieu. Elle ne s'est pas trompée. Je demande pardon. Je suis au fond de mon cœur. Je demande pardon. Pour tout le clash qu'il y a fait, parce que c'était le game. Elle m'a dit, mon petit frère, tu me clasher le clash, moi, c'est le game. C'est une grande fille, c'est une fille vraiment. Je te jure, si Marie m'a dit ça, que mon petit frère, tu veux me clasher, non, clash moi. Mais je suis avec Loulou, aura. Mais ce qu'elle m'a dit. Si je mens, elle va être un menteur. Elle est là en commentaire, elle va dire la même chose. Donc, si je mens, elle va dire que je mens. Tu comprends, non? Je ne sais pas le mariage, je ne suis pas le menteur. Donc, c'est un peu ça. Si je mens, Nicole va dire que non, Toby, tu es un menteur. Je vais quitter, je vais me calmer. Voilà. Je jure, j'ai causé avec cette fille. C'est Warriors qui est le 11 de Facebook. C'est non, tout. 11 de Facebook. Lolo, c'est le 12 de. Tu peux te dire que ça, ce n'est pas. Je suis pas d'accord. Si tu veux, ça, c'est d'accord. Ça, c'est comme un plateau. Ouais. Nicole Tchétcha, le 11 de Facebook. Lolo, le 12 de Facebook. Est-ce que depuis. Non. C'est. Wario, c'est le 12 de Facebook. Lolo, le 13 de Facebook. Je connais le 14. C'est qui? D'accord. Donc, la dernière fois, quand tu m'avais appelé, tu m'avais piégé. Tu croyais me piéger. J'ai dit que c'était toi. Moi, ça me dérange pas si tu me clashes. Parce que je ne peux pas me mettre. Nicole, le 11 de Facebook. Quand je regarde mon petit frère à la maison, c'est comme si je te vois. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que tu me caches, mais je suis stupide. Et quand je te dis que tu es cette femme-là, c'est sur elle que je suis stupide. Et je t'ai dit sur le que je te vois pourquoi tu clashes ma fou et ma pépé. Je te dis que ce n'est pas bon de les clasher. Parce que si tu regardes Facebook, tu vas voir la tête pour qu'il manipule les Facebook. Ah pardon Waris, laisse les gens tranquilles. Nicole parler, c'est quoi? Pardon, allons faire notre direct Nicole. Oh, on va faire notre direct demain. Nicole, préparez, on va faire notre direct. Nicole est le 11. Nicole, que tu as 11 de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Je reste bien après. La team balade 19.
Balatelle, le de Facebook. Lolo, le vent de Facebook. Tu as un petit frère qui était un petit frère, mon frère. Tu t'es dit que tout le monde peut avoir sa place sur les réseaux sociaux. Ouais. Et comme tu as décidé de demander pardon, moi, ça ne me dérange pas. On demande pardon à Dieu. De Carcassonne et le 15e de Facebook. Le 15 de Facebook. Moi, je n'ai pas de souci avec ça, mais... Pourquoi je ne pas demander pardon à ma fouille, à ma pépé, que tu les as incités n'importe qui à sa place sur Facebook, mon petit frère. N'importe qui était invité, n'importe qui à sa place sur Facebook. C'est comme ça que donc, Non. Je peux le dire même aujourd'hui. Je peux le dire même aujourd'hui. J'ai encore dit ça. J'ai même demandé pardon à ma ducamère. La ducamère était fâchée, m'a franconné le matin, hein, maman. On me réveille seulement. 9 et le 10 de Facebook. So. 9 et le 10. Tu peux mettre tes frangons là-bas. Les deux pardons de Facebook. Quand j'entre là-bas, hein, maman. Les pardons de Facebook. Je vous l'ai dit depuis 1 minute. Waris, c'est comment? Je te dis une chose. Ouais. La team Balatal au 15 de Facebook. Les Balatoises, 15 de Facebook. Laisse-moi parler, Waris. Lolo, le 19 de Facebook. Les ténébreux vont. Waris, tu invites les gens, tu parles fort pour tes invités. Voilà les vrais gens de voilà ça. C'est ça. Je vais faire deux. Un sera au Cameroun. Ça, il va accrocher chez moi. Non, mais c'est ça. Waris. Ouais, le 15 de Facebook. Le 15 de Facebook. Assieds-toi. Balatoise. La team Balatoise, le 15 de Facebook. Attends, non. Donc, avec les commentaires là, Waris. Quand c'est à partir de 40 minutes, demain, il n'y a pas de temps, tu ne pas tout voir. Tu ne pas tout voir. Maman. Donc, c'est vrai. Waris, le 15 de Facebook. Attends, non, les Balatas. N'oubliez pas le 9 décembre. La soirée à Paris. Oui, on va vous sortir les affiches. Balata, calme-toi. Moi, je m'en fais mes comptes. Demain. Love you, ma copine. Merci, ma copine. Par rapport à ce qui s'est passé, tu as demandé pardon. C'est là à vie. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le reste, là, si tu commences à venir dire, c'est que, oh, elle a aussi dit ça sur l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Lolo, fais comme nous. Fais la paix. Ton cœur sera tranquille. Ta vie va marcher, maman. Fais la paix avec les gens que tu as offensés. Respecte ton nom. Arrête de faire au Congo ça avec les enfants. Et là, on monte ici ton nom dans le noir. Un peu de ça. Honte de ça. Hush, Insta de télé. Là, comment on te parle de toi? Regarde. Il faut dire à rêve qu'on ne met pas la photo sur le chauffage. Que la photo ne se met pas sur le chauffage, ça se met quelque part. On ne met pas la photo sur le chauffage. Avec tous les gars, si elle est blessement, peut-être que comme c'est elle a testé moi. Elle dit, ich, va là-bas. Elle va peut-être me bloquer, peut-être me chasser. Mais non, elle n'a pas fait. Par contre, on a dialogué, on a posé. Elle m'a dit, non, mon petit frère, c'est le game. Mais toi, il est intelligent. C'est comme ça. Tu as fabriqué les gens que tu as fabriqué ta petite soeur. Ce n'est même pas une raison. Une star de télé, honte. Dans le noir. Star de télé. D'accord avec qui?
saleté de ça. Même si tu parles avec l'école, tu parles avec qui? Tu parles avec Lolo, les autres, ça reste comme ça. Tu penses qu'on peut faire un direct comme ça, qu'on parle de moi, que j'avais dit que comme ça là? Non. La personne que je parle sans le tenir, c'est maman Pépé. C'est mon petit frère. Seule, que je prends comme ça au téléphone. Nicole, je parle même, je l'appelle même, je suis même assise que le panier là, je n'ai pas moi. C'est ma copine. Oui. Il n'y a pas l'enregistrement entre nous. Hier même, Marie-Josée a appelé, fait les prières même. Marie-Josée, la maman de compresseur, a appelé hier. Me donner les bénédictions pour la mère. Donner les bénédictions jusqu'à. Que tu vas, que ma fille, ce que tu fais pour ta mère, Dieu du ciel, sache que tu es déjà un enfant béni. Tu es un enfant béni, aller et retour. Rien ne va l'arriver. Priez pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un passeur. Et il pleut. Hey, je voulais aller faire les courses. Je vais seulement aller dormir encore. Ouf, la matière, je vais préparer quoi. Ouais. Je dis que quand je me lève le matin comme ça, il faut réfléchir ce que je vais préparer. Ouais. Je vais préparer quoi. Il est à quelle heure? C'est au travail. Je peux préparer quoi même vite fait. Je vais préparer quoi. Même préparer quoi, c'est un thé cassé. Et c'est un thé cassé. Sont allés là-bas maintenant dans les ténèbres. Mais maman Pépé est restée demeure compresseur. Elle fait ce qu'elle veut. Elle me donne des conseils comme je lui donne des conseils. Après, à chacune de décider vraiment. Je ne dirige pas la vie de maman Pépé. Maman Pépé ne dirige pas ma vie. On s'échange. On se donne des suggestions. Si maman Pépé a envie de prendre son téléphone pour clasher qui elle veut, ça ne l'engage que elle. Épinard sauté avec le manioc. Épinard sauté, tu as raison, maman. Je ne mets pas. Ok, je fais épinard sauté. Mao, Ndanza Blambo, non. Nkanza. Nkanza. Pépé sauté. Le poisson a peur des arrêts. Donc, ne pensez pas que Fleur de Lis encourage maman Pépé, fait ce qu'elle veut. On nous a connus par rapport au clash, non? Elle a envie de parler à qui elle veut. Je n'ai pas d'ordre à lui donner, comme elle n'a pas d'ordre à me donner. Elle me fait des suggestions, on s'échange. Vous voyez, non? Et c'est comme ça, pas autrement. Donc, ne pensez pas que si maman Pépé, elle parle ou bien clash, ça veut dire que... Oh, on l'encourage qu'elle ait un bébé. Elle fait ce qu'elle veut. Les gens qu'on encourage, voilà les preuves. Les petits enfants comme ça, là. Voilà un petit enfant comme Toby, que une mère, une grand-mère même, vient encourager sur Facebook jusqu'à payer derrière. C'est honteux. Vraiment honteux. De sa part. Qu'elle fiche la paix aux gens. Allez lui dire ça. Qu'elle fiche la paix aux gens. Qu'elle se contente sur sa télé. Si elle a choisi la saleté, se mélanger à la saleté, c'est son problème. Nous, on n'a plus envie d'être là-dedans. Donc, allez lui dire ça. Qu'elle organise son émission sans recruter les petits nyama-nyama. Pour clasher les gens. Ok, quand Toby alors donc finit de me clasher, ça a changé quoi? Hein? Ça n'a rien changé, hein? Est-ce que le voilà que je l'ai pardonné? Parce que dans la vie, il faut pardonner. Je l'ai pardonné. Mais ce qui est sûr est qu'on va sauf que... Il va sauf que passer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne fait pas partie de la team PDGIS. Maintenant, c'est un sympathisant. Il veut passer, parler, il parle.
Voilà. Ça ne chauffe pas. Ok, bisous. À demain.